arrivé dans la salle des nouvelles, non, nous vérifier et nous pas arrivé jouer dans quelle réaction tout, et bon côté porte-parole, président Stan, il y a quel ministre, nous t'ai essayé de prendre contact avec eux sous incident. Comme nous connaissons Radio Kiskeya extrêmement prudent à toute l'autre source d'information pas contrôlée, c'est avec magistrat communant nous parler qui confirmait incident madame Rosemila petit frère. Et mais il pas en mesure pour le bail détail, il condamné Zaksa qui arrivait dans commune la dirigea et souhaitait que bon gens enquête pour arrêter moun et qui ta coupable dans et a fait ça. C'est dans le cadre du mouvement protestation qui a fait et dans la commune Arcaïa. D'ailleurs, hier soir, bien ta route là, t'es toujours bloqué. Moun qui t'a sorti et dans l'autre côté, dans l'autre département qui t'a rentré Port-au-Prince, ou bien qui t'a sorti Port-au-Prince, pas capable et passer pas avant 10h du soir hier soir. Et d'après information Radio Kiskeya joint, nous l'autre pas, nous apprenons qu'il y a une équipe enquêteur DCPJ qui sous place dans le cadre d'enquête qui a mené sous incident ça dans le moment. Et président t'a passé dans cortège dit côté te gen roche qui voyait côté policier qui avait obligé à les armes tirer et te gen un zam qui t'est riposté avec yo d'après information nous joine. C'est dans moment président t'a sorti dans vallée de la Tibonite côté li casser rendez-vous à population pour date 1er mai, li pral lancer ça li relé caravane changement dans question agriculture. Et pour d'après ça dit il pral retirer peuple là dans misère noir côté que les trouvel jeune jeudi. Concernant programme ça gain sénateur Yuri la Tortue président Sénat et qui était avec et qui saluait initiative ça d'après ça le fait connaître n'a gain pour entendre position sous question caravane là et gagner tout Chavanne Jean-Baptiste qui a réagi c'est sous bilan exactement 2 mois. Et depuis que Jovenel Moïse rivait dans tête pays avec une promesse, l'argent dans poche tout le monde, manger sous table tout le monde, et puis terre, soleil, la gloire, avec moun yo pour transformer pays. Donc, bilan 60 jours, alors que l'idil gagne 60 mois pour livrer marchandises dans, n'a pas une réaction leader paysan, Chavanne Jean-Baptiste, et qui croit que c'est pas affaire de caravane et peuple en besoin, il dit que misère à vine pirette, selon leader paysan, n'a pas pour entendre dans le journal ça. Et puis tout, gagne à la tête, collectif 4 décembre, non, homme d'affaires Jean-Aubert Argan, lui-même tout cap, ben non, bilan 2 mois, depuis que Jovenel Moïse rivait sous pouvoir. L'autre point, il y a une délégation magistrat dans le département l'Ouest, non, zone métropolitaine, non, qui prend direction Grenance, côté elle fait solidarité avec le département. D'après ça, il a été annoncé, magistrat Jude-Édouard Pierre a gagné pour le parler, non, et deux initiatives, ça. Et puis, il y a un congrès femmes, et qui membre fédération protestante d'Haïti, qui fait premier congrès aujourd'hui, jeudi, dans la commune Tabar. Et premier congrès, côté que, et mesdames, a analysé importance, yo, en dedans l'église en protestant. Et c'est docteur Romain qui vice-présidente et fédération protestante d'Haïti, qui à la tête initiative avec plusieurs autres mesdames. Et puis tout, gain président fédération protestante d'Haïti, hein, qui était impliqué tout d'après ça, on apprend. On attendait docteur Eugénia Romain et sous initiative ça concernant Wolfram, yo, dans l'église. Dans l'actualité internationale, non, c'est pas fini. D'après sa diplomate américaine qui représentait pays dans les Nations Unies, et s'il nécessaire, Donald Trump a passé à l'attaque encore dans le pays Syrie contre Bachar al-Assad. Mais pour Pyongyang, qui est dans Corée du Nord, attaque ça, c'est une attaque impardonnable, il dit que pays États-Unis fait contre pays et Syrie. Non, Guyane, qui sont département français dans l'Amérique du Sud, long, côté depuis 2 semaines, gros mouvement levé campé pour dénoncer retard, département français, ça a gagné 50 ans par rapport à la France, pour demander l'hôpital, l'école, sécurité, garantie professionnelle, tout ça que vous pas gagné. Et pour la première fois, mouvement levé campé a dégénéré, côté gagné un commissaire police qui blessé gravement grave. Et puis, si nous retournons dans le pays Syrie, au moins 18 civils qui mourent là, 5 timoun, dans une attaque qui fait dans la ville Idlib. Et tu as déposé ZAM, je ne dis pas, dans le pays de la France, en tout cas, le monté police française, non, qui côté serré,
pile ak paquet zam au moins 5 côtés. Cependant, Mariano Rajoy, et qui c'est premier ministre espagnol là, pour lui-même tout ça c'est show business. Il fait qu'on est organisation crasé net et faut organisation mandé toute victime qui mourit à cause de lui-même yo pardon. La Suède a arrêté un citoyen qui sorti dans le pays Ouzbékistan qui gagne 39 l'année, yo dit c'est lui-même qui t'a fait attentat qui la cause gagne 4 monde qui mouri et une quinzaine les autres blessés dans Stockholm capitale pays la Suède. Et musulman yo met paré yo d'après ça qu'a dit dans pays la Suède qui t'a ouvert porte pour te recevoir en pile. Zak ça pral faire situation pral très difficile pour yo. Et puis campagne électorale dans pays la France et chef parti Front National la Marine Le Pen t'a mené campagne dans zile Corse qui sont zile dans la mer Méditerranée qui dépendent de la France. Et bien t'es gagné difficulté pour lui puisque dans sale côté t'a fait meeting non t'es gagné bataille. Invité journal 4 après-midi, c'est chef l'église anglicane dans le pays d'Haïti, monseigneur Jean Zaché Duracin, sous conjoncture politique long, les lanceurs appel by fondateur RNDDHO pour faire tout ça capable pour organisation ça qui fait partie de patrimoine pays à pas craser et demander réconciliation dans mi-temps dirigeant RNDDHO là pour répondre question Beethoven François fils. Ces informations ça yo ak en pile l'autre. Nous va gagner pour nous développer pour après-midi à notre journal ça. Journal 4A c'est Unibank qui pote pour nous. Unibank, banque 5 étoiles là, c'est meilleure banque pour déposer l'argent. Unibank a fait tout client Unibank yo konnen que 4 nouveaux succursales Grand Rue, Delma 18, Rue Louverture Pétionville à Tor qui c'est ancien succursale Scotia Bank yo. C'est seulement ancien client Scotia Bank qui a joué un service là-dedans pour kounier. Livré by tout client Unibank yo en général, garanti que dans un petit temps encore, la fait yo connaît qui l'est. Il a commencé à utiliser 4 sikisal sa yo sans restriction. Unibank a remercié tout client yo déjà pour bon compréhension yo. C'est même côté nous pour aller. On fait route là ensemble avec Unibank. Vous faites maman, venez danser, abaye du cadeau. Mais bonne nouvelle là, pour faire de mer, allez ça, Unitrans fait organiser un gros tirage qui relève 28-28. 28-28, ça, ça est là. Ha, 28-28 là, c'est 28 cadeaux pour 28 maman, dans l'occasion fête de mer, 28 mai 2017. C'est pas n'importe cadeau non, c'est 27 cadeaux tant qu'on fou, frigidaire, salon, salle à manger, chambre à coucher, machine pour laver et la trier. Plus yon belle machine flambant neuf. C'est gros causé, bon qui chante pour me faire participer. Lisez, si famille ou examen ou kilote pas de l'eau, faire transfert l'argent pour ou pas une transfert. C'est fichu qui numéro chanson. Oh, moi déjà gagné. Ha, c'est recosé au maman. N'a causé 28-28 ça. Une transfert fait que 28, maman content. Ça, c'est un gros causé. 27 cadeaux plus sur machine tout neuf, c'est preuve l'amour une transfert pour maman yo. Une transfert, c'est wap. Y a ma condition applicable. Allô, ici Unicard. Bienvenue au service à la clientèle. Passez un instant s'il vous plaît. Nous voulons vous faire plaisir. Nous sommes là pour vous servir. Votre appel est important pour nous. On va prendre soin de vous. Vous avez choisi la bonne carte. La Unicard. Vous avez choisi la bonne carte. Celle qui prend soin de vous. Vous avez choisi la bonne carte. Ici, Tidjo Zeni. Je suis fier d'avoir comme vous choisi la Unicard. La carte préférée d'Haïti. Pour la qualité de ses produits, pour son accueil 5 étoiles, pour son grand réseau de services à travers les succursales Unibank et Unibank Online. Vous avez choisi la bonne carte, la Unicard. Très bon week-end sur Kiskeya. Transjournal ça, c'est Daily Mart qui potel pour. Première fois nous t'ai rencontré, c'était la plaine. Nous t'ai tout petit. Gagnant qui t'ai dit, nous pas gagnant à venir. Pourtant, l'amour nous grandit. Nous prenons route d'Elma. Sortant de là, yo commencé à dire, nous pas sembler. Ça me vient régler. Le cœur en boule, n'a loin yo la boule. Ça, c'est yo l'amour moun fou. Est-ce que nous fou? Nous toile ka fou. Et pourtant, l'amour nous commence à bourgeonner. C'est à deux bras l'ouvrir. Sans faire la sissine, yo accueillir nous plaisir. Nous faire un pile route ensemble.
nous monter, nous descendre ensemble. Je dis à, c'est tout le monde qui en vit ouais, nous, oui. Je dis à, nous gain 20 ans. 20 ans confiance. Célébrer ses 20 ans avec sa clientèle à partir 1er mai pendant toute 13 années, hein? Delimat a bail client fidèle Lio cadeau en pile gros cadeau. 20 motoboxers, on voiture derrière tout Sirion et maman Beba, c'est la Audi Q5 high-tech dernier modèle. Delimart, 20 ans d'amour, 20 ans de fidélité, 20 ans de proximité. La science pour qu'on mesure par date où le tremblement de terre est arrivé. Meilleure façon pour limiter les dégâts liés à la cause, c'est parer pour ne parer. Mais disposition qu'il doit prendre avant le tremblement de terre. Dans la construction, servir à gros matériaux et puis respecter toute technique contre le tremblement de terre. Quand on a du terrain côté wap construire avec zone côté gain plus risque, quand on choisit côté wap mettre corps dans carré la ciseau-cap, tant que médium, papote, table solide, fixer bien jam dans le mur ou soit dans le panneau, à moi. Placa, étagère et latrier. Où était toute bagaille loup qui saute en l'air tombé à terre? C'était un message ANMH et AMI en collaboration avec ingénieur géologue Claude Prepti. Tremblement de terre, pas une fatalité. C'est paré pour nous parer, c'est paré pour nous parer, c'est paré pour nous parer, c'est paré pour nous parer. Rendez-vous 9h. C'est à Nevena Aswe sous Télé Kiskeya, chaîne 14, Digital Cab 65. Actualité nationale, internationale. Parate, c'est mot de passe là. Parce que faut que là, dans le temps d'actualité, même. Rendez-vous Neve, sauti lundi, rive samedi, à Nevena Aswe sous Télé Kiskeya. Parate, parate, parate. L'art, la culture, l'histoire, c'est nom yon peuple. Yon peuple qui perdit ça, il perdit nom ni. Radio Kiskeya qui compte ça, qui ouais ça, il dit, fait papier d'histoire pour le déployer. La déployer depuis lundi rivé jeudi, de 10h à 11h30 du matin, chaque jour. Fait papier d'histoire pour le déployer avec petite feuille, toutes oreilles, triboy à babo. Mettez-vous en pente depuis 10h à faire bang. Sur Radio Kiskeya, un papier d'histoire pour le déployer avec petite feuille. Pour un débat en profondeur, où la langue de bois est bannie d'avance, suivez l'émission Intérêt public. Intérêt public, c'est un rendez-vous hebdomadaire avec Liliane. Le saviez-vous? Tous les sujets sont d'intérêt public. L'émission Intérêt public, diffusée le dimanche à 8h AM, reprise le mercredi à la même heure et le jeudi à 8h PM, est patronnée par Moto Bajaj Boxer. Boxer, faites pi-jom pour durer pi longtemps. Alternative NCN's Company et IC. Attention. L'île écoute Kiskeya. Digicel et AudioNow mènent un service tout neuf pour permettre d'entendre Kiskeya n'importe qui bon en Haïti sous téléphone. Fait 6630 pour écouter Kiskeya n'importe qui bon en pays. Abonnez Digicel yo, fait 6630. Abonnez l'autre compagnie yo, fait 2815 6630 pour écouter Kiskeya n'importe qui bon en pays. Thème à condition applicable. Yo essayé définir, yo essayé fini avec nous, yo essayé de pas fini. Kiskeya c'est une ligne, n'a kembe tête pour tête, tek tek dek, sans quoi dek. Kiskeya c'est une énergie,
nous investir et nous partager à la One Baden. Kiskeya, c'est une conviction. Nous capables de bataille pour droit moun ak démocratie dans respect l'une pour l'autre. Kiskeya, c'est pao et n'a toujours été pao. Yo, Eleli, Rajoa, Rajoa, Rajo Zilea, Zilea, c'est Rajo Kiskeya, Rajo Zilea. Il y a environ 24 heures depuis que tu as eu un incident sur route nationale numéro 1 au niveau commune à Cayenne. Et dans le moment, cortège, président Jovenel Moïse, t'as passé sorti dans le département de la Tibonite. Côté, nous connaissons depuis plus que une année, des revendications, mon accueil a exprimé par rapport à que, passé main qui fait, et dans la représentation territoriale commune historique, ça. Et moun ki tap protesté yo tiré wash sou cortège là et puis après ça la police qui t'a accompagné président t'a tiré pour capable dégager cortège là pour le passer et bien d'après ça qui dit t'a gen riposte à exam qui t'a fait mais presque 24 heures après incident ça yo nous toujours pas gen aucun position officielle et gouvernement Moïse Lafontaine. Et toute démarche sale des nouvelles nous fait pendant toute journée jeudi, quitte ses bons côtés primature, quitte ses bons côtés et secrétaire d'État, sécurité publique, ou bien divers ministères, et nous pas arrivé joindre, et dans le palais national, en quel n'importe parole, yo, nous pas arrivé joindre pour nous être capable de gagner plus précision avec détail. C'est avec magistrat Arcaïa nous parler, madame Rosemina Petit Frère, qui confirmait des individus pas arrivés identifiés, t'es attaqué cortège, et président République là, ça passait hier après-midi, dans la localité Saint-Anne, dans la commune Arcaillère, pendant le taf sorti, dans le département de la Tibonite. Et magistrat Arcaillère, madame Rosemila Petit Frère, s'il confirmait nouvelle là, pour Radio Kiskeya, cependant, pas en mesure, pour te donner trop de détails sur incident qui, Jean, ça t'est passé. Mais, les condamnés à ça, il dit qu'il vient dans la commune, nous connaît depuis le monté là, il a fait face à cette situation, ça. Il souhaitait gagner un bon genre enquête qui fait, il dit pour arrêter coupable, yo. N'abtenez le magistrat AKR, madame Rosemila, petit frère, qui t'a répondu question d'hydro parent. Hier soir, il était environ 8h30, il était dormi ensuite, et moi, je recevais un appel d'une station radio, qui revient pour demander des informations sur un incident qui se passait à Cayenne. Et c'est là, ma petite apprend que, la radio, ça, est activé sur le côté du président à la Cayenne. Et tout de suite après, moi, j'ai le commissaire policier pour nous demander des informations, et il s'est déjà appelé, même quand il ne pas trouver ça. Selon l'information du commissaire policier, pour moi, ça semblait effectivement qu'il y a une barricade qui se trouve là dans un secteur. Pour le prochain président de la Ligue, et effectivement, il y a plus de wars, il y a plus de pieds qui deviennent et tirés sur le contingent. Conseil municipal à Carrière, nous condamnons Zaksa à la dernière vigueur. Et nous disons, et nous vraiment, et regrettons que la commune canoë Zaksa à Ligue, parce que c'est le président de la République et Zaksa Ligue, nous l'a demandé, et nous souhaitons tout, et que ça soit le jour, la justice, je vous souhaite une enquête aussi rapide pour que vous puissiez les hôtels Zaksa utilisés dans la commune Arcaïa hier soir. Moun sa ou qui fait Zaksa, qui sa ou t'a demandé? Moun n'a même pas dit information qui est moun, qui est moun, qui sa fait tentative ça, non? Et selon sa commune, elle a dit moins. Et c'est un barricade dans un secteur qui a fait et qui permet de protéger à ce moment-là où l'on guette à fond. Et il n'y a pas d'attendre que c'est un barricade dans un zone-là et c'est là qui on a commencé. Je n'ai pas informé de groupes qui met ce barricade-là. Je n'ai pas informé de groupes qui ne pas ton équipe groupe qui tire sur protège-là. Et c'est ça que je viens de conseil là. C'est parce que la justice commune, nous demandons des forces de l'ordre, nous demandons avec la justice pour que ça vienne enquête, le CPC, sous Zaksa.
passé à la caille. Et rappelez-nous pour nous, magistrats, ce qui laisse à passer? Alors, moi, dans l'heure, c'est une information, c'est à 8h30, mais d'une fois, le bagage qui a passé au bureau, si j'ai dit, c'est que je n'ai pas vraiment confirmé. Hier vendredi. Oui, c'est hier vendredi. Non, ça, on va au courant, c'est une arrestation qui fait. Non, nous pas au courant, c'est une arrestation qui fait. Mais parce que nous avons une information, et moi, c'est une information, c'est maintenant mon entrée. Et là, nous venons là, nous avons fait avec le comité policier nous parler, et que nous allons chercher pour nous, pour nous commencer à informer, pour nous connaître ce problème qui est sorti. Mais la justice, nous sommes aussi capables de démarrer cette salle pour nous connaître ce qui est sorti. Qui est sorti. Ni ou pas au courant, tout c'est un monde qui est blessé. Oui, moi, sur les réseaux sociaux, là, j'ai mon géo qui est pris en bas, je ne suis pas au courant, mais pas un bilan, et la police, pour qu'on ait un bilan des blessés, parce que c'est grand pile dur, et pour qu'on ait un sorti, c'est grand pile dur. Pour qu'on ait un lui passé parce que c'est beaucoup de villes et puis qu'il y a un bail dans le grand et puis qu'on ait un tir, assurément déplacé, mais nous ne pouvons pas confirmer, mais sur les réseaux sociaux, nous avons des gens qui ont passé pour un bal bien occupé. Nous avons des informations sur ça et ça cause même, par le côté de la mairie, nous avons été avec un tête à nous et c'est maintenant que nous avons des nouvelles dispositions pour que la commune soit capable de faire ce qu'on veut. Voilà, magistrat Kaya, madame Rose, Villa petit frère, Namiko, Didro, parents, ça l'a dit. Quand elle a été tombée, elle est tombée et sous barricade dedans, alors que tu as supposé gagner des mondes qui t'a parti en éclaireur, en belle distance en vent, pour te garder si tout trou dégagé. C'est comme ça la question de sécurité, ça a fait. Et mais faut que nous disions, question barricade là, elle était poursuivie bien tard hier soir dans la commune Akaya. Et quand elle a des mondes qui t'a sorti dans le nord, dans tout le département, et qui t'a entré Port-au-Prince, et qui t'a bloqué dans la commune Akaya pendant au moins 3 heures de temps, en moment où t'es arrivé finalement entré bien tard dans Port-au-Prince. Et il était bloqué côté que machine pas capable entrer à Kayé ni machine pas capable sortir à Kayé la nuit hier soir. C'est toujours même revendication, mon ça est à pantant tout sous et caoutchouc taboulé barricade et nous gros monde nous connaît qui était sur route là qui expliquait ça que dans contact avec lui pendant hier soir et côté te gain roche qui t'a tiré et la police était au courant de ça qui t'a passé là. Mais yo t'ai parlé de intervention qui t'a fait pour déblayer route là et mais ça t'a prend un bon temps avant finalement monde qui t'ai bloqué t'ai arrivé passer jusqu'à après-midi à palais national pourquoi sorti une note officielle pourquoi pas aucun détail concernant incident ça alors que toute qualité parole a dit sur réseau social yo mais nous apprendre que gagne enquêteur DCPJ qui allait sous place dans cadre enquête qui l'ouvrit sous incident ça. Président Jovenel Moïse s'est trouvé dans le département de la Tibonite hier pour préparer le lancement salaire les caravanes changement qui pral gain pour faire curage drain à canal dans date 1er mai qui a venu là dans vallée la Tibonite qui se jour 1er mai fête agriculture et travail. Monsieur Moïse a mandé population n'a cité faire confiance dit la travail pour le retirer dans misère noir côté le trouver journée jodia plus détails à correspondant nous dans Balatibonite là Milsam Adeus. Yo l'autre fois encore président Jovenel Moïse visite vallée la Tibonite vendredi 7 avril 2017 là dans cadre préparation qu'a fait pour lancer officiellement travail qui rage drain à canalio premier mai qu'a venu là pour permettre paysans plantés râle au souffle. Président Jovenel Moïse mande population continuer faire confiance l'a travail selon ça le dit pour essayer valer dans ça le trouver journée jodi a quel que soit pour toi quel que soit pour tes paysans les mecs ouais de la privé sur là nous on a la Tibonite n'a pour même pour nous une mettre en valeur 30 000 hectares qui dans la Tibonite et on va oublier projet ça a fait faire 50 000 hectares. Nous allons travailler pour nous coller 20 000 hectares sur 30 000 pour faire nos 50 000 hectares que nous mettons en valeur. Là, il y a une sécheresse, pas même 10 000 hectares qui sont en production dans la vallée. Si la pluie tombe, nous avons un gros problème d'inondation. Ça veut dire que depuis la pluie tombe, nous avons un jardin, il y a une sécheresse soleil. Sénateur La Tibonite, là, Garcia Delva, qui devait partir de la délégation, on fait qu'on est. L'imande président Jovenel Moïse 100 000 sacs en grains pour distribuer les paysans plantés qui se moun réellement cap travail la terre. L'important pour nous signaler, délégation a été gagnée, président de l'Assemblée nationale, là, sénateur Yuri Latoti, vice-président de l'Assemblée, Charles Chancy, député commune Gonzaline, Alsace Hubert,
ak député commune Saint-Macla, ingénieur agronome Samuel d'Haïti, pour dire ça seulement. Balasiboni Saint-Mac, 1000 Samadeus, Kiskeya. Merci, président Sénat Yuri La Tortue, qui t'a répondu à la question Radio Kiskeya. Dans le téléphone, Julien Jodia, saluer l'initiative, ça, l'a dit président Jovenel Moïse Brun. N'a cité pour relancer secteur agricole là, qui n'a pas qu'à importance pour le pays, à parlementaire la Tibonite là, qui t'a fait partie de délégation, et préciser dans le jour qu'a venu là, yo, a gagné matériel, t'as coup de tracteur, à camion, qui peut nettoyer canal, yo, dans la vallée, hein. Et puis, autorité, pour distribuer engrais et semences, par les paysans la Tibonite, yo. N'a pas tendé, président Sénat, Yuri La Tortue, dans le micro, Renal Guéry. Donc, à joindre la donne 50 000 hectares de terre. Actuellement, nous arrivons presque 30 000 et nous avons dit qu'il y a une implantation sur l'eau et que 15 000 et si nous arrivons et pousser plus loin, mais que l'irrigation qui est arrivée, rentrer la totalité à pour finir 50 000. Mais, c'est qu'il y a là, il faut canal qui était là, ou qui était côté de l'eau, parce que vous connaissez, dans les fleuves à Tibonite, c'est lui, en général, nous avons dit qu'il principale socialisation pour aller à tout le canal que nous gagnons. Pour le moment, nous commençons par premier, à savoir de l'eau et également route. C'est ça que pour nous lancer caravane pour le meilleur, c'est-à-dire que pour faire l'agriculture, pour que nous relancions l'agriculture, nous avons le travail de préparation quand il est mis en fait. Et d'ici semaine prochaine, nous avons environ 100 camions dans la Valéa et nous avons 20 camions qui sont financés, 9 plus 20 camions qui sont déjà 60 magos naïves au DVA déjà, pour que tout nettoyage ça au canal de café et arriver dans une situation que tes routes secondaires sont faites, puisque faut une route pour arriver dans la localité. Vous même vous accompagné, président, dans la visite ça, mais ce côté problème qui gagne dans le niveau irrigation, gagne tout semence avec l'autre outils paysan va faire face, qui engagement président prend, l'on connaît en quelques jours encore, c'est pour carrément campagne printemps, qui engagement président prend dans ce sens ça pour semence, engrais, avec l'autre outils pour paysan. Première phase là, c'est nettoyer canal et justement l'ingé route agricole. Mais deuxième étape là, c'est semences, c'est engrais, via son investissement que l'État a fait, puisque pendant longtemps, eh bien, budget au DVA pas suffit vraiment pour te faire tout gros investissement ça. Et deuxième étape là, pour le gagner au moins et 80 à 200 000 sacs qui va le distribuer directement dans l'organisation paysanne. Et je pense que d'ici 1er mai, nous allons commencer dans et ce monsieur dans engrais et fait avec là nous allons finir avec route agricole et de l'eau. Est-ce que gagne un budget qui alloué à ensemble opération ça? Moi je crois que ça entre dans le budget d'urgence, pas bien l'État qu'on a des fonds d'urgence qu'il a en cas d'événement de force majeure qui arrivait. Je pense que par rapport à ça, pas un budget qui est déterminé. Au contraire, là, c'est ouais, par rapport à budget rectificatif là, qui budget, comment nous t'es arrivé budget au DVA dans 500 millions de gouttes là, j'en ai parlé, puisqu'il y a 99 millions liés. Mais pour le moment, c'est des fonds d'urgence que l'État a cherché un petit peu partout pour que yon a fait face à la question ça. Parce que pas oublier, production nous très bas, on est à nous à 70, presque 70 000 tonnes du riz. C'est-à-dire que nous sommes à 120 000 tonnes, et peut-être dans les années 2008. Voilà, c'est le président Sénat qui sont la Tibonite, Yuri La Tortue. Mais question, c'est pour connaître combien de tonnes qui sont de l'eau, qui sont bateau, qui sont venus, qui sont entrés chaque jour dans le port pays d'Haïti, du riz. Est-ce que quand on travail sérieux fait pour pays de la Tibonite, dans la question récupérer et travail va aller à bout du riz, sans que pas stopper puis la paquet de bateau, ça va être porté du riz pays étranger, qui malheureux pas qu'à acheter du riz la Tibonite. Et même Grenègue ne va pas acheter chaque jour. Aïe, leader paysan Chavanne Jean-Baptiste qui t'a réagi sous bilan de mois. Monsieur Jovenel Moïse qui est depuis arrivé dans tête pays a estimé jusqu'à présent dit pourquoi on aucun signal qui montrait une politique toute bon vrai qui pourrait aller dans la direction paysan yo pour soulager misère yo même qui représentait masse peuple ak pile ak paquet de problèmes la vie chère pendant période ça puisque nous a fait goudlan pas camper du tout devant dollar et puis nous connaît qui conséquences qui gain sur la vie tout le monde à la tête organisation paysan déclaré vinge plus misère dans pays a au contraire elle a regardé tout partout n'est pas quoi ces moments show business soit fait de caravane
qui pourra parler. Parce que selon lui, et paysan, yo, c'est pas ça qu'il a besoin d'un moment. Yon l'autre bon chaman Jean-Baptiste, on fait connaître, c'est pas par yon choix et pour pays, les présidents, à faire promotion yon l'autre modèle agriculture qui coupe fâché avec agriculture traditionnelle paysan à pratiquer jusqu'à présent. N'attend les leaders MPPA qui t'a pour répondre question Radio Kiskeya, dans micro Gervens Ricardo Jean-Jacques. Les m'a regardé, et pendant deux mois, ça y est, et question grand goût, et l'ivine pirède, et dans le pays. Saison la pluie commençait depuis en février, dans la majorité des départements dans le pays, et paysans n'ont pas capable de planter. Donc ça veut dire, et nous avons plutôt, ouais, et pendant deux mois, ça y est, qu'on est à président parler de caravane qu'il va le faire, ou même pas quoi ces caravanes paysans ont besoin. Et je dis, les paysans, après les nous, et tout partout dans le pays, il y a, eh bien, il y a aucun problème pour joindre semences poids, et semences poids chou, et semences gros poids, il y a une dernière limite, nous avons une détresse et extraordinaire. Donc, pour nous-mêmes, si nous pour le secteur paysan, eh bien, dans le secteur populaire, et pour qu'on gagne et en rien pendant des mois, ça y est, bon. Et c'est le président Jovenel qui décide de faire un bilan de mois, mais bilan de mois, ça, si c'est pour masse populaire, yo, eh bien, nous capables d'y pas gagner. D'y pas gagner pour masse populaire, yo, et pour soulager problème la vie chère, et pour paysans, yo, pas gagner qui fait juste qu'on a pour aider paysans, yo, et pour produits manger. Et par exemple, président Jovenel a visité gros entreprises, qu'elle dit le pral bail au moyen, puis au vin, et puis grand, il dit le pral faire caravane, qui pral commencer premier mai. Est-ce que bail ça, yo, c'est pas chaud business, yo, galier? Dis-moi bien comprendre. Politique agricole et président Jovenel gouvernement là l'ichita sous ça y aurait les modernisation agricole qui que son modernisation ça son bagaille qui est capable d'aller sauter parce que dès qu'on parle de modernisation ça veut dire industrialisation c'est ça y aurait les modernisation on parle de modernisation agriculture c'est comme tout a dit c'est industrialisation et agriculture et ça a demandé et en pile engrais chimique et qui pral, bah, y'a pile problème dans le sol, yo. Ça m'en des pesticides chimiques, ou ça m'en des semences, et importées, hein, semences qui sortent dans mes semences industrielles, et qui sortent dans multinationales, semences, yo. Haïti, vous ne vous dites, y'a ça nous besoin, c'est pas gros machine agricole. Et tout le monde étudie, et dans la géographie, pays noir, son pays, 75% de montagne. Donc, président Jovenel, comme il parcourt tout le pays, ya. Eh bien, li konnen, eh bien, nous pas gagné, et je dis, nous pas gagné 20% de terre dans le pays qui est capable de labourer. C'est-à-dire que nous besoin un modèle agriculture qui a produit manger pour le peuple, pour permettre à Haïti qui a une grande monde. Voilà, Chavagne Baptiste, des deux paysans, et puis qui c'est un professionnel dans la question agriculture qui t'a pas parlé comme ça dans le micro, et Gervens Ricardo Jean-Jacques. Et sous projet monsieur Jovenel Moïse Gayen concernant affaire agriculture dans le pays d'Haïti donc Chavan en met occasion de lancer débat sur agriculture quoi qui représentait l'avenir demain pour l'humanité ça est l'agriculture bio qui sans pesticides sans qu'un produit chimique ou bien OGM c'est organisme qui modifié et justement question élément ça y est l'agriculture. Et donc la gourmet contre ça mais tout bataille contre mécanisation agriculture par rapport à l'agriculture et traditionnelle que environ 1 million familles haïtiennes ont exercé ça les petits paysans yo et tout partout dans le pays c'est un véritable débat de société et qui méritait pour aller plus en profondeur pas oublier sous gouvernement Préval là tu as un gros investissement qui t'est fait. Nous tendez Yuri la tortue se parler de machines qui a privé dans la vallée avant longtemps, de tracteurs. Eh bien, président Préval tâche ton quatrième autoculteur. Nous songez? Eh bien, nous pas côté au passé et par exemple, un qu'un rien qui fait. Donc, est-ce que l'agriculture a dû mécaniser? Et est-ce que c'est une agriculture bio? Est-ce que c'est type parcelle? Est-ce que il doit mettre tout agriculteur ensemble dans la coopérative ou bien c'est agro-business? Et t'as coup Agritrans dans le Nord-Est qui c'est vitrine qui portait président arrivé dans le palais national puisque c'est à partir de success story ça y était
et faire promotion pour lui comme un monde qui réussit, bien que nous connaissons pourquoi il a pas un grain pied banane qui campait dans notre destin, mais c'était ça et qui te permettant que il était arrivé, il jeune accès et pour arriver côté lien. Donc son gros débat, son débat sérieux et choix qui agriculture, qui politique économique, qui côté pays a engagé. Puisque c'est le pouvoir lui-même qui lance ses propres bilans, nous allons attendre qui lecture coordonnateur collectif 4 décembre. Nous avons deux porte-parole qui fait bilan. Et président Moïse, depuis l'arrivé, exactement gagné 2 mois dans ce pays. On a dit que bon, pas qu'à dire bilan, 2 mois seulement pour le gouvernement. Non, c'est eux-mêmes qui ont jugé bon pour faire bilan. Donc, coordonnateur collectif 4 décembre, Jean-Robert Argan, qui a réagi après 2 mois. Installation Jovenel Moïse comme nouveau président en tête de pouvoir, c'était pour pays à kembe stabilité pour pas pencher et pour yo capable résoudre véritable problème pays a fait face. Dans interview par Radio Kiskeya jeudi, coordonnateur collectif 4 décembre déclaré en pile bagaille qui pour qu'on en place yo. De l'autre côté, il saluait décision président prend n'a cité pour réduire dépenses l'État. Cependant, il dit la tonne action qui posait dans son sens. N'a pas des hommes d'affaires là, à la tête collectif 4 décembre, Jean-Robert Argan, un micro d'Hydro Parent. Deux mois, quelques jours éventuellement. Et effectivement, il y a beaucoup de stabilité pour le gagner. Il y a une nomination d'une série de ministres et puis il y a des fonctionnaires de l'État. Maintenant, au niveau de la situation économique, là, c'est certainement pas pour un coup de baguette magique qui va changer. Parce que d'abord, il s'agirait que pays Québec vraiment au cap tranquille, parce que le capable d'adresser vrai problème qui c'est problème de production pas nous parce que nous dépendons de l'extérieur et vraiment pour que nous capables de bâtir pour mettre en place et qui part en place donc nous on connaît comment nous allons là mais on est dans l'expectative d'appel parce que pour que nous capables de développer il faut qu'on capable vraiment garantir nous par exemple propriété terrienne ou capable garantir citoyen, sécurité de bien, et c'est ce qui n'est pas fait. Donc, ça a toute série de problèmes que vous pouvez résoudre et qui est essentiel. Problème, par exemple, Voltaire, problème, c'est un problème qui est grave, problème de contrebande que vraiment, de ça que vous voyez que la société n'a pas vu, nous quittons tout d'arrêter, pour perdre, on a perdu un volume là, parce que frontière et Saint-Domingue. Donc, c'est des problèmes extrêmement sérieux. Important à résoudre. Question que nous fait de drame, nous fait au mal. Par exemple, dans le cas du Grand Dessin, là, ça y est, depuis sous président Rivière, gestion fait Grand Dessin. Nous, comme famille, nous avons nous là. Pourquoi? Parce que, je suis prêt, nous, 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 pour te gérer après Mathieu, au niveau du secteur privé, nous disons, mais une commission mixte, il est public pour gérer là. On a ce problème auquel on fait face. Donc, nous croyons qu'un pays qui toujours a travaillé aux pompiers, qui a essayé de résoudre le problème, et puis qui a essayé de mettre à ce souple. Nous comprenons le problème communal, communal monté, communal de centre. Il y a une réflexion profonde à faire et peut-être 2 mois pas suffisant pour un résultat probant. Donc, même il faut qu'on vraiment, vraiment pas satisfait du jeu de la réunion. Donc, mon dollar encore. Capable d'imposer davantage, puisque nous sommes tendance à augmentation de coût de vie. Il y a un président qui prend une décision pour réduire et dépenser l'argent dans l'État. Et bien, question de lutte contre la corruption, c'est comment nous ça? Les mesures au niveau de l'écrit, mesures sérieuses, très bonnes. C'est un bon pas. Maintenant, entre écrire et ça capte fait là, c'est le fait que la réalité, parce que tellement bloqué nous de passer la seule action, mais au niveau de démarche, au niveau de ce qui est prévu, c'est une efficacité et ce n'est qu'un début parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Il faut continuer à faire au niveau du coût de personnel de l'État à faire, par exemple, chaque directeur, chaque nouveau, comme machine ou comme backup, et toutes ces deux mesures qui font pour mettre en application. Nous pensons que cette première démarche est bonne et nous appartenons à ce que renforcer et que l'appliquer. Voilà, c'est président collectif 4 décembre, coordonnateur et collectif 4 décembre, Jean-Robert Argan, qui t'a répondu à une question d'Hydro Parent sous 60 jours et depuis que Jovenel Moïse arrivait dans la tête d'un pays. On a fait un premier campé. 30 journaux, ça, c'est Delimart qui t'est poté le pour. Yon nouveau produit, BRH, la gaine en l'arrière pour mettre plus la jeune en poche. BRH. BRH, c'est un nouveau produit BRH poté pour vous.
pour ou. BRH mette ou dans la rue pour mettre plus l'argent dans poche ou. Protéger ou si au cadeau là ça monte et bon yon intérêt 7% chaque année. C'est un nouveau produit que nous offre la BRH. BRH. Obligation BRH, c'est tant coup papier tè. Yo garanti, yo pa pè di valè. Yo protège yo si zo kado la ta monte. Mande yo nan bank Paola, nan coopérative Paola, ou bien al nan n'importe institution ki patne ak BRH nan programme sa. Smart Optique Lunetterie a fait tout le monde connaît. Si nous ouais nous gain plus passé youn dans cet homme ça yo tant coup ouais double ça nous relé double vision lumière nuit jour ouais trouble rayon soleil nuit jour ou gain pile tête fait mal ou pas ouais pour filer yon aiguille ou gain difficulté pour être de près au soir de loin j'ai toujours gratté ou et puis la fait de l'eau si ouais plusieurs dans signe ça yo attend nous ou ka gain un problème réfraction visuelle qui donc pas perdre temps courir venir rapide rapide dans Smart Optique Lunetterie. Pour profiter consultation gratis ti chéri. Smart Optique Lunetterie c'est tout en pile belle montie économique. Montu gros mac, tankou Gucci, Prada, Dolce Gabbana, Vogue, Ray-Ban, Guess et Latrier. Smart Optique Lunetterie chita nan numéro 1 premier passe Lavo, tout près bureau immigration. Téléphone 48 75 69 22. Bonjour. 5 ans déjà passé, campagne l'a continué. Résultat test filariose montré, toujours gain ti 20 filariose cap circulé dans sa moun zone métropolitaine. Sauf Pétionville qui qualifié. À la vérité, si c'est pour tout pays, nous déjà compté 112 communes qui pas besoin médicaments filariose encore. Si c'est comme ça, on célébré. Pendant on a encouragé reste communio, suivre bon exemple. N'oublie rentrer dans prolongation distribution médicaments Delma Cité Soleil Tabac, Port-au-Prince Cafou, retente d'atio. Attention filariose, danger gros pied. Yon seul piki maringouin sifi, mais tout, yon seul dose médicaments, yon fois chaque année, c'est clé. Ça clair, filariose ou pap 6. C'était un message, ministre de la Santé publique à la population. Toujours, pensez moi pour quoi dans rêve moi. En confiance à bon j'en service. Pour toujours, si les problèmes yo ta monté. Honoré contrat ou pas, j'en baisse les bras. Et Haïti va pour gagner la ville. Ça fait 15 ans, on connaît pour les gens où t'es promettre. Et Haïti investi dans le pays. Ça fait 15 ans, on casse pour des gens pour secteur d'assurance là. Haïti, a petit tout qui en y a, merci. Tout pas n'est lié, à tout emploi est lié. Quel vivre, quel mieux jour, et Haïti l'oublie pas. Jodi a, n'a prenouvelé engagement pour nous continuer à servir nous. Un grand merci à tous. Nous tiendrons encore longtemps notre promesse. Commencez année 2017 là, super belle. Derrière vous, là, une super voiture de luxe, une super Audi. Comment? C'est facile. Passez en belle optique avant le 27 mai. Achetez une lunette. Même côté, il y a bon 5 billets gratis pour participer à un gros tirage qu'a fait 28 mai. Jour fête des mères, au profit de la reconstruction du petit séminaire Collège Saint-Martial. Belle lunette ou l'anzio, bioté pochou, ou attendre 28 mai pour aller prendre au 10 août. Assuré, ou là dans le tout, belle optique, trois adresses. En Rue Chavanne, Éclairvaux-Pétionville, Delma, entre 17 et 19, et 25, Rue Capois, Chonmas. Belle! Première fois nous t'ai rencontré, c'était la plaine. Nous t'ai tout petit. Gagnon qui te dit nous pas gain avenir. Pourtant l'homme nous grandit. Nous prend route d'Elma. Sortant de là, yo commencé dit nous pas semblé, ça me vient régler. Le cœur en boule, na loi yo la boule. Ça c'est l'homme mon fou. Est-ce que nous fou? Nous toile ca fou. Et pourtant l'homme nous commencé bougeonner, c'est à deux bras l'ouvrir. Sans faire la sicile, yo accueilli nous plaisine. Nous faire un pile route ensemble. Nous monter, nous descendre ensemble. Je dis à, c'est tout le monde qui a envie, ouais, nous. Je dis à, nous gagnons 20 ans. 20 ans,
Célébrer ses ventes avec sa clientèle à partir 1er mai pendant toutes 13 années, hein? Delimat a bail client fidèle Lio cadeau en pile gros cadeau. 20 motoboxeurs, une voiture derrière tout Sirion et maman Beba, c'est la Audi Q5 high-tech dernier modèle. Delimat, 20 ans d'amour, 20 ans de fidélité, 20 ans de proximité. Se chale ou Kage se kola citron Kage se kola citron Se jounè Nan pri manje pou bien kore Kage se kola citron Se lit vivant Se kola citron Me pou kola Se pil nan men ou met pose Ou gen sekirite pou sante ou fane Se kola citron Li ne katwe me ya Santan se jounè arrive Eske nou pare pou fete Mande kola se jounè Pou kote Pour faire ce fait la vie plus belle, Kage c'est cola citron, Kage c'est cola citron, c'est journée, pour pas tout le quatre pays, Kage c'est cola citron, c'est l'équipement, citron, Haïti est chanté. C'est quoi la citron? Ça vaut! C'est quoi la citron? Un produit séjourné. Ah. Application MyDigicel Appla vient bien intéressant. MyDigicel apporte un bonus qui permet de faire plus de bénéfices. Quand il y a un nouveau plan NetPam spécial, là, vous avez tout avantage plan 9 gouttes là ou 4 gouttes 50. En plus, vous pouvez recevoir 50 MB gratis. Ça veut dire, il y a cassé. Et puis, data ou blé ou poco WebI. Lorsque vous utilisez l'application MyDigicel App la première fois, vous pouvez bénéficier 4 minutes digi-digi gratis. Mais qui j'en pour jouer avantage ça? Après, vous finissez activer yon plan, vous pouvez seulement monter sur l'application. Activez MyDigicel Bonus plus appel. Et puis, suivez l'inscription. Bonus ça va la vie une seule fois dans la journée jusqu'à minuit. Avec MyDigicel Bonus, c'est plus appel, plus data, plus avantage. Après tout ça, m'sot di ou yo la. Ou pou installer toujours, ça va tann. Al télécharger li kounya sou App Store ou soit Google Play. C'est celle application MyDigicel là ou ap jwenn tout avantage ça. Spécial ça pou yon tann limité. Digicel, terme à condition applicable. Towo, towo, fwe fos mwen. Pour faire la tête produit, nous besoin bon gens agronomes. Pour bâtir solide, nous besoin bon gens ingénieurs. Et bien même gens, pour bon gens traitement, nous besoin bon gens docteurs. C'est peut-être ça, ma ophtalmologie pas négligé choisi bon gens spécialistes. Qui caga des joues dans fongé qui malade là. Prends attention gère, fais champ visuel si ça nécessaire. Dans affaire lunettes même, pas gain temps pour ça ma. Que c'est ça qui pas gain non, que c'est ça qui gain non. Gucci, Fred, Montblanc, Dolce Gabbana et Latrier. Sama, c'est avantage à qualité. Sama, c'est tout ton réseau, dans Port-au-Prince ou dans province, qui réunit bon gens spécialistes avec bon médicaments pour bon gens traitement. Sama, ophtalmologie, Chitacol, Pétionville, rue Clévaux numéro 3, côté nous travail matin à après-midi. Delma 18, rue d'Artigna numéro 44, route Cafou, dans mi-temps côte plage 24 à 26. Téléphone 39 46 94 94 32 31 73 31. Grand journal ça, c'est Climaref qui potelle pour nous. Hey yo.
Hey, l'amitié, non marché chercher solution pour pièces climatisées, réfrigérateurs, chambre froide ou bien bassin, ou pas besoin de courir à droite à gauche, jambé de l'eau, sans par contre qui s'en va le joindre. Solution problème ou c'est Climaref, la poula, dans rue du Quai, en bas la ville. Coutez, pour toute qualité matérielle, pour installation ou sinon pièces de rechange, pour tout mac appareil, Climaref vient plus bon prix avec personnel qualifié sous place pour aider à résoudre problème yo. Et puis tout, dans Climaref, ou bien appareil, Mac TGM qui fabriqué aux États-Unis pour climatiser son anti-chambre caille ou bien n'importe qui building commercial ou industriel. Qui donc, ou même qui c'est technicien, professionnel, propriétaire maquette, fonte fineb, chambre froide ou bien bassin, pas perdu temps ou courir dans Climaref, numéro 111, rue du Quai. Téléphone 2510 94 91 29 49 94 91. Pas oublier, Climaref, c'est référence toute professionnelle. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui, c'était pas mon anniversaire. Hier, dans la nuit, c'était notre première dispute et il m'a dit beaucoup de choses cruelles. Je sais qu'il est désolé parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. Une autre fois, il a tenté de m'étrangler. Et hier soir, il m'a battu avec beaucoup plus de violence. Puis, il m'a violé. Je sais qu'il est désolé car il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. C'était un jour très spécial. Le jour de mes funérailles. Hier, dans la nuit, il m'a finalement tué. Si seulement j'avais trouvé assez de courage pour combattre la violence, je n'aurais pas reçu de fleurs aujourd'hui. Si vous êtes victime de violence conjugale, ne gardez pas le silence. Vous êtes victime de violence? Ne gardez pas le silence. C'était un message de solidarité femme haïtienne, SOFA. N'importe qui bosse sur planète là sous www.radiokiskeya.com. Suivez Kiskeya sous Audio Now aux États-Unis sous 641-552-5111. Comme ça. Au Canada sous 438-795-4290. En France, dans 01-80-14-14-71. Suivez Kiskeya sous Audio Now en République Dominicaine dans 849-936-71-34. Dans le pays Mexique, dans 899-274-66-67. Dans le pays Brésil, sous 214-04-21-481. Dans le pays Chili, sous 44-890-92-44. Kiskeya, comme ça. De craquer dans ton pain, en arrière, on chante. Merci de ce qu'on fait Radio Kiskeya. Confiance pour informer. On a salué tout internaute qui a pu se voir sur www.radiokiskeya.com, quelque chose à côté. Et tout ça, tout qui a pu se voir sur plateforme intelligente. Premier coup de pied d'actualité internationale là, a mené dans le pays États-Unis. Côté gain diverses analyses qui a fait sous Jean Donald Trump viré Kazakh li dans dossier Syria mais qui et a fait ouais diverses fois déjà depuis arrivé dans tête maison blanche non côté saleté qu'on a dit dans campagne pas ka kembe parce que gain un océan Pacifique qui sépare ça qu'on candidat a dit à réalité de gain chaque jour et pour le faire face parce que là la parmi dans campagne ses rêves la raconter toute qualité bagaille fait promesse toute qualité sans que le par contre qui gère pour le mettre en application mais l'elle dans réalité pouvoir eh bien c'est une autre bagaille et c'est pas seulement dans pays États-Unis c'est une réalité planétaire en pile fois parole qui dit dans campagne c'est parole pour faire monde dormir et tout le monde comme ça
et entre parole d'un candidat qui a vendu toute qualité belle promesse qui a fait publicité ak action là que li rive dans tête pouvoir c'est deux réalités département une bagain pour loi ak l'autre et yo capable voir ça avec Trump et Donald Trump tout pour nous songer c'est monsieur ça qui t'a pral li dit sécher maricaille corruption qui gagne dans Washington et jusqu'à présent il pas rien li manyen dans Washington qui était gens que li te joine ni au contraire Donald Trump et c'est un exemple parfait dans ça qui concerne candidat qui parle en pile avec réalité politique chaque jour qui a pété yo face à toute promesse qui a été faite. Dernière preuve là si au monde pas t'avle quoi c'est le fait que il fait intervention ça dans semaine ça même dans pays Syrie sans attendre et après des révélations qui parlait de possibilité pour ce Bachar al-Assad même qui t'a gazé propre peuple. Naturellement, son situation très complexe. Et yon Donald Trump, nous songer qui était parti en guerre contre des agences américaines, l'attaquer CIA, l'attaquer FBI, l'attaquer NSA, li voyait moun aller dans le département d'État, li mettait moun dehors dans le ministère de la Justice. Mais le pral prend premier choc li, le que système nan bloqué à travers la justice, par exemple, sous dossier immigration. Et qu'on est là, la première question environnement, il y a plus qu'une douzaine d'États qui ont été plaintes pour lui, pour montrer que le pape capable de faire ça. Le complexe militaro-industriel, le pape qui a fait ça. Ou bien la vie d'un président normal, et, ou bien, s'il est capable, la goumé à système, non. Mais par quoi ça, il y a le plus subit pour le conformer. Et, un président imprévisible, c'est vrai. Et sous dossier syrien, dans même semaine ça a dit que c'est pas en priorité à faire pour voir Bachar al-Assad aller, même semaine ça il faut appeler Bachar al-Assad parce qu'il dit l'elle ou cadavre Timounio, il pas qu'à supporter. Naturellement grand pile émotion car même manipulation, mais et qui ça s'après le bail comme résultat, monsieur obligé à collaborer avec CIA, avec FBI et je dal vient camper en face Vladimir Poutine jusqu'à présent t'a beurré le dépôt comme idole. Et pas oublier dossier Vladimir Poutine n'a pas fermé toutes institutions américaines, parlement CIA, FBI qui continue à mener enquête pour voir qui proximité qui existait entre monde qui était proche candidat qui dirait les Donald Trump là avec système russe pour arriver déterminer qui confie l'autre te gagner pour te permettre manipulation te faite sous site internet parti démocrate là qui donc pour te mettre Hillary Clinton en difficulté. Alors que c'est lui même qui t'a dénoncé non série de tweets assassins que t'a voyé avec un pile violence contre intervention Barack Obama t'a fait dans pays Syrie dans l'année 2013, eh bien ancien homme d'affaires jeudi a sans attendre livré plus que 50 missiles et Tomahawks et sous un aéroport syrien, ça passait la nuit jeudi pour l'ouvrir vendredi. Et sans que li pa gagne laissé passer parlement américain. Et alors que l'État critiquait Barack Obama, il était dit que il levait campé contre Barack Obama et qui prend décision sans que le baguette laisse passer le Parlement. Un président, d'après ça, il était dit, doit gagner accord congrès avant qu'on attaque le pays Syrie. D'après ça, il était dit, c'est une grosse erreur que Barack Obama fait là. Aïe! Si vous demandez Gombo, non mais, Gombo chaud, il demande le nom couille, il dit non mais. Mais je dis, c'est lui-même qui n'a pas grand qu'il ne s'est passé, ni parlement, même l'OTAN n'a pas informé, et monsieur varé sous pays Syrie. À part Kazakh ça que le viré, il est en viré plusieurs déjà, et Donald Trump également fait volte-face dans les relations internationales. Yo, pas oublié, une cheval bataille, c'était la Chine. Il dit pays ça, il sorti pour le faire non, et marcher ou met devant ou met derrière. Puisque la ruine est non, et puis qu'on est là, bien faire, industrie américaine n'a pas qu'à fonctionner, lui-même, l'idée, concept qu'a bien fait comprendre, le réchauffement climatique, non, c'est pas vrai, c'est menti. Et le test dit, la Chine met tonne, parce que l'a bien contré avec, depuis le temps monté dans tête pays, l'a rencontré avec Zogan. Eh bien, je dis, mais la Chine, ça, l'idée où le tapis rouge, pour recevoir le président chinois, alors que, de date 3 décembre 2016, il était parlé dans le téléphone, avec un premier ministre taïwanais, ça que la Chine était protesté contre lui, puisque il dit c'était une rupture dans ce qui concernait politique en seule Chine, que les États-Unis te reconnaissent, et que c'était écrasé 40 ans de diplomatie américaine. Et bien, je veux dire, Donald Trump,
qui le dit pas dans bail comme ça lui même, il va pas faire pareil connaître Taïwan, la pas la Taïwan, la ceci la cela d'autre bord et bien on qui promesse lui fait semaine ça bail président Xi Jinping, il dit moi même son seul Chine me reconnaître, pas gain deux. Aïe, la question politique intérieure et il te dit plusieurs fois depuis ton est monté mais afin de Obama qui a oublié ça pas mani monté il m'a pris un décret mani mais ça mais est fini et qu'on a tout doucement parce que le manque pour une humiliation dans la chambre non c'était insister dans le dossier ça donc réalité pouvoir avec parole en pile c'est deux mondes totalement différents. Entre bail menti, illusion dans campagne électorale et réalité politique, et bien je vous dis, et là c'est un petit crasseur. Liste très long de revirement et que Donald Trump déjà fait côté le vie et Kazakli plusieurs fois. Il n'y a pas même 3 mois depuis qu'il est dans ce pays. C'est quoi le Jésus te dit, quoi que là pourquoi j'étais 7 fois pour qu'il t'oublie. Même t'as parlé à foutre. N'a pas tourné par moi ici la caille par nous et hier nous connaissons c'était une date importante 214e anniversaire depuis que précurseur indépendance pays d'Haïti Toussaint Louverture général Toussaint Louverture t'après mourir dans pays la France dans fort de Jou non côté relé dans Mone Jura bien loin Paris et bien et t'ai gagné plusieurs activités nous t'ai parlé de yo et te gagné tout Mupana qui t'a commémoré anniversaire dans occasion ça c'était occasion pour te gon débat et débat qui t'est fait sous constitution 1801 avec importance tout une institution tant que Mupana dans kembe mémoire et toute et lutte peuple haïtien mené pour te capable créer nation ça un reportage Vladimir Maurice Ridoy. Mupana c'est une parmi divers espaces jeudi mardi à rencontre brasser l'idée organisée sous la vie Axel Toussaint Louverture gros poteau et garçon ça qui marquait tout histoire mondelin à travers bataille qui était commencé pour indépendance pays a ak freiner esclavage là date 7 avril là marquait 3 événements importants dans histoire pays a qui c'est 214e anniversaire de Toussaint Louverture ak 34e anniversaire Mupana et puis 34 l'année tout depuis été rapatrié yon parti dans reste Toussaint Louverture dans miséa. Rencontre brasser l'idée organisée dans salle conférence Mupana côté personnalité qui était présent yo ak élève lycée Toussaint Louverture yo té suivi ak pile intérêt intervention panéliste yo directrice générale Mupana Michel Friche té parlé comme ça aujourd'hui 7 avril est le 34e anniversaire du musée du Panthéon national haïtien Mupana et c'est aussi l'anniversaire de la mort de Toussaint Louverture un des héros de notre indépendance son passage vraiment historique et aussi une présentation sur la constitution haïtienne la première constitution en tant que directrice générale du musée j'ai présenté l'historique du musée donc les objectifs aujourd'hui c'est vraiment la promotion de la culture haïtienne, la promotion de notre histoire, perpétuer le souvenir des pères de la patrie, c'est une de nos missions principales et premières. Professeur Pierre Buteau, parler sous projet l'ouverture rien, relation entre constitution 1801 et société Saint-Domingue. Professeur Buteau, mettez un peu l'accent sur l'importance de cette ouverture dans l'histoire pays. Le Mupana, c'est un espace patrimonial et historique, un musée, et tout simplement, c'est commémoration du 214e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture et son figure historique importante dans sorte qu'elle est construction patrimoine historique haïtien. Donc, tant que menacé Toussaint Louverture face au poids, à l'héritage et à l'incertitude du présent, son menace de désacralisation. Et c'est bon qu'on désacralise les figures historiques pour mieux les comprendre. Ouais, pourquoi nous n'en faisons ça avec Toussaint Louverture. Archiviste Patrick Tardieu, dans l'intervention sur la Constitution 1801, explique que l'imprimerie a été servie dans l'époque coloniale là, il y a un outil de répression que l'on a été utilisé contre esclavio. Intervenant explique que démarche Toussaint Louverture a été fait pour faire l'Assemblée centrale là, et publier la Constitution là. L'imprimerie arrive à Saint-Domingue comme outil de répression au service des Blancs contre les esclaves. Dès la première publication de la Gazette en janvier 1764, on dit que les maîtres doivent aviser l'imprimeur quand il y a des esclaves marrons pour qu'on puisse publier dans le journaux quels sont les esclaves marrons pour les retrouver. Dans la Constitution de l'an 8 de la République française, article 91, le régime des colonies françaises est déterminé par des lois spéciales.
martial. Toussaint va utiliser cet article pour faire sa constitution, demander à l'Assemblée centrale de publier la constitution. Président commission Kilti, chambre député à Caleb Deramo, député Coraïla, Wolf Papillon, directeur général Archives nationales la Wilfried Bertrand, directeur général Inatsla Philippe Doda, ancien ministre Kilti Monique Roku, ak architecte Daniel Eli, c'est quelques parmi personnalités qui étaient présentes dans l'activité ça. N'a souligné bien bonnet matin, président Jovenel Moïse avec madame Li Martine Moïse, premier ministre Jacques Guy Lafontaine et puis plusieurs gros responsables l'état, t'ai déposé en jeune place au monument Toussaint Louverture, nan Mupana. Vladimir Maurice Ridoré, Radio Kiskeya. Merci Vladimir. Et puis installation administration publique là, nouveau ministre des Affaires sociales la Roosevelt Bellevue installé dans tête caisse assistance sociale là, CAS Woodley Simon comme nouveau directeur qui remplacé dans poste ça Wilbert Alouidor. Dans discours de fait hier dans circonstance ministre félicité directeur qui prend l'IA, il dit et qui était présent dans l'occasion cérémonie. Il met le directeur tout neuf là pour le mettre pour le pas perdre du temps pour commencer travail pour monde qui n'a besoin yo, yo capable bénéficier aide que l'état bayo à travers instance et n'attendait nouveau ministre affaires sociales là Roosevelt Bellevue qui était parlé comme ça dans micro Amos Breville. De procéder aujourd'hui à l'installation du nouveau directeur CAS, M. Woodley Simon. Je tiens à féliciter son prédécesseur pour ses efforts et les réalisations qu'il a pu faire au sein de cette Jodia. Donc à l'installation ça, je vais envoyer un message clair by nouveau directeur pour que vous mettez l'institution ça au service de la population. Pour que tout le monde qui a bénéficié de l'institution ça sans discrimination, il doit traiter avec dignité, il doit faire bon service à les gens qui sont plus en difficulté, il doit aide à la santé, il doit aide à l'éducation, il doit aide pour la formation, il doit aussi aide qui ont besoin pour faire la vie changer. C'est la mission président de moi avec le Premier ministre, nous avons la bataille que la responsabilité que le gagné est capable de respecter. Oui, c'est le ministre des Affaires sociales là, Roosevelt Bellevue. Et nouveau directeur CAS là, Woodley Simon, dit libre le travail pour ces monde qui nécessite assistance sociale là, qui pour joindre ni. Ça veut dire, nous prenons bon et grand monde, en pile fois que la deux bras balancés, y a bah aussi 1000 goud, qui pas qu'à résoudre rien pour yo. Et directeur CAS là, fait qu'on est, libre le fait tout ça le capable pour l'agence CAS d'arriver joindre monde qui pis pour vieux dans la société. Et toujours, promesse à tout directeur CAS yo fait. Woodley Simon déclaré, tout employé yo a prêté dans pension. Et pendant le remercier, bien entendu, président, premier ministre, il dit qu'il fait confiance d'après avoir yo metel nan poste ça comme jeune garçon pour capable diriger institution l'état ça. N'a pas de nouveau directeur CAS là. Woodley Simon dans micro, Amos Breville. Moi, je crois que c'est pays, tout le monde, c'est une plus grosse bagarre qui arrive dans la vie de chaque citoyen. Moi, accepter des directions, caisse d'assistance sociale avec un sentiment de redevabilité et résultat. D'abord, permettez-moi de remercier M. le ministre pour l'honneur ou faire pour choisir mettre dans la position. Profitez-moi de recevoir et pour transmettre remerciement avec vœu de loyauté, l'équipe avec tout gouvernement. En particulier, leurs excellences, le président de la République, M. Jovenel Moïse, et le premier ministre, M. Jacques-Guy Lafontaine. Décision qui confiait notre CAS, vivait dans un moment particulier. Côté nous, bon, gros parti de la population, hein, qui vivent dans une misère atroce. Suivant dernière enquête qui fait sous ménage, plus de 6 millions sous 10,4 millions, environ 59%, à vivre sous seuil de pauvreté, avec près de 2,42 $ par jour. Plus de 2,5 millions, soit de 29%, à vivre sous seuil d'extrême pauvreté, soit avec 1,23 $ par jour. C'est une situation qui mandait une solidarité agissante de l'État au nom de l'équité et de la dignité humaine. Mesdames, Messieurs, dans le moment où je prends reine institution, ça, moi je voulais que les secours sociaux, assistance sociale, vivent joindre à tout le monde qui méritait assistance sociale. Moi je vais faire un coucou rouge. Tout acteur qui est impliqué dans la protection sociale, dans l'assistance sociale et dans la réponse d'urgence. Nous pensons que toute société a mis tête ensemble autour d'un réflexion. Pour un nouveau concept de gouvernance et régulation sociale et la mise en œuvre.
l'ordre de paquet de services sociaux. Voilà, c'est le nouveau directeur CAS là, Woodley Simon. Et puis, sous Bopal, directeur qui allait à Wilbert à Louis d'Or, fait qu'on n'est pas satisfait de passage dans la tête CAS là. Faut que nous disions pile dans le bénéficiaire, toujours vin là, vin dénoncer lui, nous toujours quitter le micro ouvert pour lui. Il va réagir, puis il faut dans le foyer, faire une accusation contre lui. Il dit pas de temps pour te réaliser tout ça, il était gagné dans la tête lui. Pendant une année, il passait dans cette institution ça, qui t'a supposé là pour garantir sécurité, monde qui puis pour sécurité sociale, mais c'est pas ça, nous connaît, ça c'est un petit grappe d'aille. Et il dit qu'il a pour rider monde qui puis pas bon dans la société. Wilbert à Louis d'Or, quoi, monde qui remplace là, c'est un jeune, même génération à lui, qui a une capacité, qui a permis de réussir. Donc, on attendait Wilbert à Louis d'Or, toujours dans le micro, Amos Brevit. Présent devant nous avec un double sentiment. Premier sentiment, c'est un sentiment de joie, côté que je me sentis représenter toute une génération pendant un an dignement. Deuxième sentiment, c'est un sentiment de satisfaction, côté que par rapport à tout ça, nous avons dans la tête pour nous faire, nous pas arriver à faire tout. L'aime qu'on est gouvernement, qui te mette ici, te une grande mission, faire élection. Mais malgré la grande mission, ça, nous-mêmes, nous avons fait tout ça qui dépend de nous. Nous avons essayé de faire la mission du ministère des Affaires sociales à nous via CAS. Passer dans la tête caisse assistance sociale là, montrer que si nous unissons, nous avons fait un pile de bagages. Si nous unissons, un pile de monde qui ne peut pas utiliser nous, j'ai été confiant auparavant. Heureusement, je dis à son autre camarade de génération qui est présent pour venir remplacer. Ma petite camarade, Simon, bon travail, pas pour le travail là, pas facile, même si nous connaissons des difficultés, mais avec savoir-faire génération ça, nous connaissons la réussite. Wilbert Alouidor, qui était dans la tête, c'est à Estra qui allait, et c'est Woodley Simon qui remplaçait, et c'était hier. Passe ma tête là, t'es fait. Nous allons donner un extrait dans l'émission Parler pour nous avancer. Côté demain à 1h, Marvel à recevoir. Et Rudolf Mathurin, chanson pour les intimes et sous conjoncture politique. Comment comme si tout le pays a accepté que, oui, faut que le président lui partage avec le Parlement, Parlement prend 12 ministres, la prend 5 secrétaires, c'est. Mais c'est quoi ça? Et ça, c'est le kidnapping de la démocratie. Hein? T'as dit que... Non, mais pratique ça, il correspond à une expression. Ils utilisent assez souvent, partage de la Constitution de 1996. Donc, le gouvernement est l'émanation du Parlement. Est l'émanation du Parlement. C'est comme si le Parlement qui a fait gouvernement dans l'esprit de certains mondes. Mais en même temps, ça que moi connais ou connais, c'est pas qu'il a fait PEP qui a réglé. Son affaire que, mettez-vous là, pour travailler pour moi. C'est niveau ça, ça me l'a lâché ça tout. C'est-à-dire que, on a fait de monsieur la fontaine passer parce que l'ibaye de toi faut l'ibaye tout le monde joigne et puis nous pas révolter. Sénateur Hervé Foucault te dit ça, mais le premier ministre sortant et le Jean-Charles t'a confirmé que effectivement tout le monde joigne. Oui, mais c'est quoi ça? Comment veut pour construire un pays avec une logique comme ça, tout le monde partage de gâteau et bien sûr c'est tout le monde joigne ça qui expliquait. Ça m'a regardé là. Mais évidemment. À savoir que, m'attendais des partis politiques, m'attendais des certains leaders, même si là, qui dit, yo, d'une certaine gauche, et au quoi elle existait d'ailleurs, en parenthèse, gauche ça. M'pense qu'il y a des éléments de gauche dans le pays quand même. Ouais, m'pas pas osé dire que pas qu'il y a des éléments de gauche, m'pas pas osé dire pas qu'il y a une structure de gauche, dans le pays. Moi, quoi, il y a une nécessité pour gauche d'arriver elle, pour prendre responsabilité historique, s'il existait, oui. C'est des fois parce que les pas un bagage donc vous doutez de l'existence parce que moi même son monde qui croit dans praxis ça veut dire que côté nous côté c'est qu'on avait quoi dehors et pas demain matin bonne génération que nous là dedans faut mettre quoi dehors parce que si yo pas mettre quoi dehors c'est bien message là gain une mise en place qu'a fait là pour compléter kidnapping gon mise en place qu'a fait là ou est question loi de sous diffamation qu'a vini parce que nego prend le calo avec la loi et premier côté ou calé nous l'aime dit n'a parler de gouvernement ça c'est pas fait de gouvernement ça l'oligarchie réactionnaire en général il rentre là dans international là on ça ou fait
c'est au niveau parole là. Un, yo dévoyer parole qui prend le jeune peuple là. Tout le monde dit n'importe quoi au niveau de la presse. Tout le monde bail n'importe qui charabia. C'est pas presque côté là dans l'année 80 qui te gagne un rôle d'éducation, de conscientisation, de construction de personnalité. Les matins des journalistes qui parlent bon ici, son bail qui vraiment fait mal. C'est d'abord bien plus c'est mandé à mandé, vous comprenez? Il y a vendu des capes chantage tout. Oui, justement, il a fait appeler ah, il y a tel dossier sous ouais, gon bail qui pourri. C'est pas seulement et ouais et là monsieur Martel il des fois lui exagère une façon pâle, on pas gagne bras justifier pour lui parce que c'est choix ça le fait tout, mais en même temps il gagne élément amène parce que effectivement gagner plusieurs citoyens citoyennes au niveau presse là qui gagne un comportement pour me pas dire trop minable. Donc s'il vous plaît, premier bagage nego fait nego reprendre parole là, yo désorienter. C'est-à-dire que ou gagne presse rabordaille, pas dire radota, moi dit rabordaille et ça explique tout comportement qui fait que la plus facile. Il faut pas attention dans micro la presse on parler là. Bon, heureusement heureusement ou permettre moi dire une parole qui parle rabordaille. Moi je suis conscient de problème moi dit là. C'est clair. Mais dans toute règle, il y a exception. Non mais c'est clair. Mais sans doute de l'effet de masse. Nous pas l'unique exception. Non, c'est clair, mais effet de masse, non, c'est que nègre reprend le contrôle parole là. Mais c'est vrai, il y a une dynamique ça. Il y a une dépopulation. Et de colonisation de tout espace mais c'est clair. Médiatique. Là. Mais c'est clair. Et qui ça semble marcher assez bien. Ah, c'est ça qui fait tout justement que nous sommes aussi désarmés. Ça fait que aussi désarmés. Et il paraît pour recevoir n'importe qui bagaille. Il paraît. Faut faire attention. Où est question de. Gon laboratoire, quoi, capteur, va être. Gon laboratoire qui dit, quand t'arrives, à faire question démocratie, participation, à faire peuple là, n'a pas résolu sur le long terme, au fur et à mesure. Nous avons essayé coup d'État, répression, gros répression. N'a pas fait répression comme notre tour, bagaille, n'a fait des petits coups. Mais, n'a pas eu illusion qu'il n'y a pas les coups cabalés, mais n'a fait mise en place pour nous reprendre contrôle territoire sans peuple là. Ouais, il y a une démarche anti-peuple. De manière calculée, consciente, qui a construit un côté. C'est pas par hasard que, malgré tout cri qui gagne sous monde qui n'a pas le mans, que, ouais, que l'ensemble de la société, finalement, pas un problème. Ok, ouais, il y a des monde qui a suspicion, que j'ai fait mauvais actes, pas un problème. Comme si, c'est extrêmement particulier de dire mon bagage, on l'a même dit, bon, moi-même, façon. Non, mais attention. Là, c'est pas faute société. Le premier côté problème non déposé, c'est au niveau de CEPR. Qui te gagne la disposition pour le déprendre. Oui, mais. C'est par rapport à recommandation. Il n'y a pas eu de crime, commission suffisant. Oui. Société apparaît, elle est vraie. Société apparaît, elle est vraie parce que l'injonction, on est aujourd'hui. L'y paraît pour prendre tout vous de loi. Vraiment vrai. Et c'est là que je pense qu'il faut qu'il y ait plus de monde qui pousse cri par eux. Pour dire que ça, nous pas de goût, mais pour ça, nous pas prendre la donne. Voilà, c'est professeur Rodolphe Mathurin, poète, chanson. Et c'est lui-même Marvel à recevoir demain après-midi à 1h dans l'émission Palais pour nous avancer. Dans pour une actualité internationale, la situation en Guyane. Guyane, qui c'est un territoire à la France, dans l'Amérique du Sud, là. Depuis 2 semaines, une mobilisation manche longue, mais grand piscine qui commençait à montrer des fatigues parce que pression a fait sous gouvernement français, ça qui peut aller, qui dit pas qu'à prendre engagement parce que par exemple l'autre gouvernement qui a venu remplacer, il n'est pas qu'à aller plus haut que 1 milliard d'euros et pour investir dans faire l'hôpital, faire l'école, route et problème délinquance juvénile. Et problème pas une garantie professionnelle, problème insécurité, mon apporté quand mon y a tué yo dans Guyane et qui fait tout Guyane yo dans la rue pratiquement, c'est plus que 10 000 qui étaient entrés dans le centre spatial français dans cours dans semaine ça même et ont été occupés qui c'est plus gros vitrine la France gagne dans question conquête spatiale qui a envoyé satellite et dans le ciel mais qui pas capable de fonctionner et ont dénoncé le fait que à côté gros centre ça qui à la fine pointe de technologie qui se rejoignent de bidonville côté guyanais à vivre pas même gain lumière la caillou à côté centre spatial là dans courou qui inacceptable et journée jeudi et pas jamais gain incident jusqu'à présent c'était une manifestation bon enfant est capable dit qui t'a faite pacifiquement. Mais pour la première fois, la police voyait gaz lacrymogène et gain dérapage. Au moins, gagnait
yon commissaire police qui blessé gravement grave. Et d'après ça, yon fait connaître, yon croit que gon cap qui franchit là, dans mouvement contestation ça, qui commençait gen plus que 2 semaines dans le territoire guyanais. Commissaire police nan, li blessé gravement grave pendant manifestation ça, qui dégénéré dans KN devant préfecture, non? Côté revendication était même. Et Guyane, qui c'est un département français en Amérique, et gagné un retard de 50 ans par rapport à n'importe quel autre département qui dans l'Hexagone, non, qui donc dans pays à même la France. Donc son héritage de colonisation, et ils ont même allé très loin pour faire connaître depuis 300 ans un rapport avec la France. Et c'est vrai, statut a venu évoluer. Qu'on a demandé l'autre statut, pas seulement département. En Amérique, ils ont demandé l'autre statut encore, ce type de colonie, ils ont venu évoluer, et de toute façon, c'est ultramarin, territoire outre-mer, et mais ils ont dit que, fondamentalement, la France pas jamais traité aux gens pour traiter. Donc, c'est des Français à part. Et la France, tout qui peut pour lever campé ça, pas venir contaminer tout territoire que le gagne, de sortir dans l'océan Atlantique, jambé dans le Pacifique, avec l'océan Indien, on sait de tous ces héritages, colonisation, et à essayer ouais qui genre qu'a contenu situation ça qui concerne puisque d'après chiffre on dit 40% de la population guyanaise là qui moins que 300 000 monde qui ou bien directement c'est haïtien ou bien qui d'origine haïtienne. Donc c'est une situation qui concerne en pile. Et Marine Le Pen qui était en campagne aller Guyane avant crise a été éclatée, te prend la parole les crises a éclaté pour dire il comprendre guyanais yo, il solidaire avec eux parce que pas qu'à arrêter dans pays pour ouais monde sorti pour vous mettre au dehors. Là la parler avec nous parce que c'était nos personnes, il voyait de l'autre pas nous mais normalement tout pour nous connaître, la parler avec haïtien, la parler avec surinamien et on petit crasse avec brésilien. Bien que brésilien yo c'est dans empaillage yo vini dans et yo même dans forêt côté yo vinn dans question à faire chercher l'eau. Et surtout dans zone et un état mapa qui gagnait qui gagnait frontière avec et pays avec Guyane et ben problème immigration massive là gain quelques dominicains à l'autre bois tout mais c'est surtout haïtien et puis avec surinamien. N'a vini la caille pa nous gain une délégation magistrat dans zone métropolitaine, non, même département l'Ouest, non, et qui quitte capitale là, je dis à direction et Gordos, côté elle fait solidarité avec plusieurs communes dans le département ça qui menaçaient en bas grand goût 6 mois après passage cyclone Mathieu. D'après magistrat Kafoua, Jude Edouard Pierre, qui est président de la Fédération Magistrat Pays d'Haïti, il parlait de tourner solidarité, il a fait, il a promis de produire, manger, bay magistrat plusieurs communes qui étaient victimes en bas passage cyclone nan. Dans interview bay radio Kiskeya jeudi a magistrat Kafouan fait connaître elle ça que yo pote a c'est grâce à propre moyen pas au personnel c'est pas moyen mairie a diriger yo et qui permettent yo pote l. N'a tande magistrat Jude Edouard Pierre qui te parlé comme ça dans micro Didou parent. À l'unanimité, les 20 communes de l'Ouest, eh bien, t'es décidé, pour tes contributions, ça, à travers l'association des maires de l'Ouest, où jeudi, à le 10 samedi, nous déplacer, on a visité ça qui vient en bas, ensuite, remettre ça à nos potés. Et son véritable mouvement de solidarité inouï, basé sur cette mairie de Carrefour, Fonverrette, Lagonave, Croix-des-Bouquets, Arcaillé, Cabaret, Pétionville, Delma, Tabac, Carrefour, Cité-Soleil, eh bien, les 4 communes de la région des Palmes, hein, en Sagalais, et Potaraquet, tout Netomazo, tout mon net 15 corps, ça côté légumes, ça côté du riz, ça côté l'huile, mais c'est un véritable événement pour nous. Et hier soir, c'est la mairie Carrefour qui nous fait veiller, hein. Et nous pas dormi, nous embarquer camion pour nous descendre en bas. Ça fait nous un peu plaisir pour effectivement gouvernement président Jovenel récemment sur fait évaluation par rapport à ça qui est l'autre bois et des engagements qui étaient prêts. Nous parler tout, pas seulement pour nous porter qui choye de manière symbolique pour nous. Même pour nous, du tout, justement, comme maire de la République, comme responsable fédération, comme responsable association maire de l'Ouest, pour des solidarités, nous tous, bail magistrat de l'Ouest, pour nous dire que comme agent exécutif, et au niveau local, il y a une légitimité, et
que ensemble engagement président prend pour des populations supposées transiter passer par la collectivité pour pas gagner une confusion, pour pas gagner des cadeaux conflits qui éclataient entre différentes catégories d'élus mais sous même territoire. Et donc, c'est combien communes dans le département de ça qui bénéficie ça nous porter. Bon, effectivement, nous gagnons la ville de Jérémy, nous parlons justement fond rouge d'ailleurs côté que nous avons difficulté dans le compte là, nous gagnons Pestel, nous gagnons la Pestel là en cours de route, n'a pas un parc de convoi humanitaire, ça, que nous, qui vient sur route-là, nous décidons tout pour nous bailler un appui à commune des abricots, là-dedans, et, mais nous parlons mettre lit à achat sur des maires de la grandeur. Bon, effectivement, ça nous retient pas qu'à satisfaire 12 communes, 13 communes qui n'ont grand dans ce plan, je dis, là, mais nous espérons que la utile, ça nous poté, nous gagnons environ 780 sacs de huit. On 200 sacs de poids, etc. Et que magistrat, il faut nous préciser que c'est pas l'argent, mais rien que l'argent. Chaque maire, chaque membre cartel, eh bien, dans chaque commune, 60 magistrats l'OSIO. Est-ce que nous avons appui financier avec magistrat, yo? Magistrat Tabar, là, qui était nous appui financier. Et nous avons décidé de pas acheter produit avec appui ça. Ça, parce que nous allons regarder qui est l'autre bagaille qui est sur place, qui est urgent. Choisir une commune, par exemple, qui est dans cette section de la d'ailleurs. Donc, à choisir, servir avec, à travers Amaga, à cas avec la grotte Chelbot. Mais nous pas gagner comme nous allons bailler, juste pour nous reconnaître ça. Voilà, c'est magistrat commune Kafoua, Jude-Édouard Pierre. Tourner solidarité dans Grandos qui t'a répondu question d'hydroparent et Jude-Édouard Pierre c'est président tout association fédération magistrat pays d'Haïti. Nous n'avons pas député Boucan Carrière Jude Jean lancé un appel by travaux publics transport communication ministère environnement pour faire intervention pressée dans localité Joumou tout près de lac Péliglan dans plateau central sur route nationale numéro 3 côté digan pile gros roche qui déboulonnait sorti dans mon nan et qui bloquait route là parlementaire fait connaître roche sa yo qui roulait et dans moment la pluie a tombé son véritable danger li préciser situation ça représentait un gros malais qui pendait sous tête tout le monde qui a passé dans route nationale numéro 3 n'attendait député Boucan Carrière Jude Jean qui était parlé comme ça dans micro Renal Guerrier dans la localité de Joumou, dans la commune Boucan Carré. Joumou est situé dans une grande localité qui s'est Péligue, donc côté barrage hydraulique. Le problème, c'est que il y a des gros roches qui ont roulé, sorti dans le monde tombé chaque jour. Surtout les lapes a tombé, et puis lapes a tombé, de l'eau a descendu, et puis roche a roulé. Donc les roches a roulé, ils ont fait des gros dégâts. Ils ont bloqué la circulation, ils ont crasé les machines, ils ont tué les gens, ils ont crasé les motos. Le contenu est bête tout. Donc, on a vraiment son SOS par le gouvernement, surtout le ministère des Travaux publics et le ministère de l'Environnement, parce que c'est un danger environnemental. Donc, on demande au gouvernement pour qu'il y ait des interventions qui soient rapides, parce que le problème, ça l'a très très longtemps, pour que le député Boucan Carré était toujours à fait plaidoyer pour que l'État a fait intervention. Donc, la mairie fait démarche beaucoup de travaux publics déjà. Pour qu'il y ait intervention qui fait, c'est ça qui fait obligé d'utiliser tout moyen pour que le message arrive pour qu'il y ait intervention qui fait parce que la vie nous menace dans la zone. Et c'est pas seulement la vie nous dans la zone qui menace, c'est la vie de tout le monde à rencontre. Voilà. Parce que route nationale numéro 3, non seulement il y a un pile de monde dans la centrale qui a pu utiliser, mais il y a un pile de monde dans le département du Nord ou bien n'importe quel monde. Et qui a un bagage pour la dégré et qui doit passer par route ça, donc n'importe qui a victime. Surtout qu'il y a un monde qui doit passer, qui n'est pas conscient de danger, qui n'a pas même eu au chaud surtout le soir, et puis il y a un monde qui descend, peut-être après un faux bon lac là, et puis on voit qu'il glisse et descend et tue. Donc, intervention ministère, travaux publics, ministère de l'environnement, très urgent dans ce sens. Est-ce qu'il y a une période côté Roche ça a tombé plus ou bien c'est comme ça, un jour, dans un mois ou bien dans l'année, ça a arrivé? Pas vraiment une période côté a tombé, mais j'en sais dire qu'il y a des périodes côté a tombé plus parce que le lap a tombé. Il y a des mouvements qui ont fait dans le sol là. Mais Roche qui fait plus de dégâts, c'est ça qui roule pour contre. Pas vraiment une période, il roule à n'importe quel moment. On a passé la victime, mais la pluie a tombé. Depuis la pluie commence à tomber, il y a eu les plus facile.
c'est parti roche et qui petit et c'est ça qui fait monter partager image pour mon ouais dimension roche parce que bien là dans le bloqué ou la monde pas qu'à déplacer c'est machine c'est code que mon yo prend yo marie roche là la machine qui vraiment gain capacité pour ça pour regarder le mettre là côté route là. Donc n'importe l'autre affaire visite dans zone là ou après en attendant qu'il y ait une intervention qui fait pour résoudre problème ça. Voilà, c'est député Boukan Karia, Jude Jean, qui attire attention ministère Travaux publics ensemble avec ministère Environnement sous danger ça roche qui a déboulonné sorti dans tête monde sur route nationale numéro 3 qui représente un gros danger. Gagné toujours l'administration publique la nouvelle installation qui fait premier ministre Jacques Guy Lafontaine de trouver le grandance à le président d'après une note qui était annoncée et installation nouveau et, alors c'est pendant qu'il était dans la province et il a metté nouveau et directeur au RMH non et maître José Pierre Louis qui est un ministre dans poste. Et donc c'est nouveau coordonnateur général Office Management et Ressources Humaines OMRH. Et dans ces circonstances-là, Hugues Joseph qui était installé dans notre premier ministre, non, dit son compétence que tout le monde connaît et que le président et premier ministre ont décidé choisi pour faire réforme dans l'administration fonction publique là et rappeler mission nouveau coordonnateur secrétaire général primature non. Et c'est géré et tout et fonctionnaire état dans fonction publique là au MRH et doit permettre tant que fonction publique là attirer monde et pour renforcer capacité la permettre que des fonctionnaires qui fait carrière et pendant que les remercier deux chefs exécutifs là pour confiance sur mettre dans lui mettre José Pierre Louis bon côté parle pour mettre libre le travail et pour que contribuable qui a payé l'état taxe joindre et bon gens service il parlait d'un gros plan d'arrière dans sens ça pour se mettre citoyen yo nan service public là même. Et puis gagné bureau premier ministre bureau communication premier ministre qui voyait faire la presse connaît que non premier ministre non complet ensemble avec photo archive li monsieur Jacques Guy Lafontaine qui c'est président du conseil supérieur police nationale là CSPN et gen moun ki pirate yo utilisé pour capable déstabiliser gouvernement yo di yo servi avec pour faire déstabilisation et donc et notre nan communiqué de presse là fait connaître que chef gouvernement et passé et instruction by instance technique qui gen compétence pour ça dans l'état pour mener enquête qui et pour permettre yo qu'arriver identifier et pirate ça yo et pour prendre mesure que capable appliquer contre yo. En plus de ça premier ministre profite occasion ça pour attirer attention tout le monde en général qui a servi avec Facebook en particulier et compte officiel li identifié authentifié deux fois avec nom et utilisateur à commercial J et G Lafontaine tout collé ensemble avec Noni Jacques Guy Lafontaine qui cochait qui gagne un V en couleur bleu bon côté. Il dit que les créer faux compte sur réseaux sociaux pour servir avec nom l'autre monde et puis photo monde ou bien des institutions pour capable faire circuler de faux messages malveillants, c'est un crime qui dépasse frontière pays d'Haïti qui donc qui vient transnational. Et primatuan mandé moun ki intéressé yo pour toujours cliquer et puis consulter compte officiel PAL qui c'est www.facebook.com/primaturehaïtienne ou bien www.facebook.com/JG Lafontaine tout collé et donc c'est là yo capable joindre compte et officiel authentifié premier ministre. En parlant de premier ministre, on a tout parlé de président puisque il y a une douzaine de députés et qui signent une lettre yo voye bay président chambre député a et Charles Chancy pour mander pour enquête l'ouvrir concernant dossier président qui devant la justice accusation blanchiment d'argent et l'inculpé dans dossier ça mais dossier ça quand elle dans frigidaire. Il va parler de ça du tout 12 députés qui signe lettre ça c'est député Abel Décolline PHTK, Prétend Bélizer Famille Lavalas,
Jean-Aubert Bossé OPL, Sinal Bertrand Fomin Avalas, Manès Louis Fomin Avalas, Gagné Vickenson Fomin Avalas, Pierre Bélange Fusion et Mathurin Sanit Fomin Avalas et Beauville Jacques et Plateforme Vérité, Benoît Jean Guerrier Plateforme Vérité, Jean-Marcel Luméran Kid ak Roger Milien Fomin Avalas. Et qui mandait enquête et sous dossier et blanchiment d'argent dossier ICREF là. La folle campé. Trans journal ça c'est Climaref qui te potel pour nous. Copain Jaco vinn ga nou causer et pas moun brak ti mako. Voye l'achet en boîte dentifrice vert pour moi nan temps moderne ça et puis gada ki sa l'tourné. Moi pas connais non. Le ti moun pa gentendé, faut bien expliquer so voye l'acheter pour pas prendre en mira. Ti mako vinn jwenn moi. Ou prend pas dentifrice ça, ou pote l'tourné ko to achete l'la. Oui copain Jaco. Tande ti mako, ça nou voye ou prend, c'est pas dentifrice clean and fresh vert là. Il facile pour reconnaître parce que sou mette la côté l'autre pas de vert yo, ou après clean and fresh vert là, c'est qui pigou et mettez sous ça ça permet ou identifier le pi bien pour pas faire erreur clean and fresh vient là vini a con hologramme zoli hologramme oui ou tande timako ou connaît nous pas ka jouer avec santé bouche nous raison que après hologramme sous pat clean and fresh vient là c'est parce que li certifié par tout grand laboratoire comme mon bon pat clean and fresh vert c'est un gel vert qui efficace en pile li combat carie li fait don blanc li gan pile mat qui bon bon haleine et li résout tout problème gencive vous en moins que 2 semaines c'est pour ça tout dans c'est recommandé clean and fresh vert. Bon, ti mako bien tande, kounya devant. Oui 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 oui, m'a couru vite. N'a besoin de tout, permanente prima à base d'olive. Li vini dans une petite boîte verte. Mes amis, mon produit qui porte des chances pour nous. Produit 7 miracles. Besoin d'ingénieur, c'est Avel pour servir. Produit 7 miracles. Produit 7 miracles. Nous pas qu'à vivre sans nous. Tellement bail à tirance. Ou râler, mène vini. Femme ou garçon, ou faire n'importe mon belle. Ou chasser mauvais air. Ou éclaircir fort, ou retirer tâche, ou râler même ses actes, et ou sentir bon. Allons produire ces 7 miracles, maman. Oui, on peut faire miracle. Allons produire ces 7 miracles, papa. Oui, on peut faire miracle. Ou ap jwenn produit 7 miracles dans tout rakwen pays d'Haïti. Ou bien rele les 3 les 100 dans 28 11 91 20. Mandel. Atraka papa. Ma koumen, so gen la, mou gen problème. Mon copain se mouri, map mouri en bas la vie chez ça. C'est 20 goud, ou nous sommes payés un petit boîte lettre à l'eau pour petit mouen. 20 goud? Ma koumen, ou paye lettre la trop cher. Je dis à ma bon secret. Mais même, c'est lettre pour l'eau lettre mouen acheté. 20 lettre la vin koute 5 goud. Qui vle dire 5 goud? Mouen ba eti ma koumen un gros velet. Oh, 5 goud ou velet en poudre lettre. Pourquoi so dit à c'est vrai? Oui, so tende à 5 goud. Pour un gros velette en poudre. Ma comme, faut gagner l'esprit. Suspendre dépenser quoi bon mal, pas acheter petit boîte lettre à l'eau pour 20 goud, alors au lin pas bon gros velette pour 5 goud. Oh, qu'on y a tout si moun bra jeune lettre. Au lin, c'est un bon lettre vache là. Qualité supérieure, chargé avec protéines qui sortit dans gros pays Europe. À 5 goud, ou à boire un gros velette au lin. Au lin, oh oh, les charges en vitamine. Au lin, oh oh. Let en poudre on lève vinon gros sac bleu et blanc 25 kg yo vann ni en gros ou en détail et ou vann ni tout côté dans pays ya. L'argent ou les gens, que faut-il entretenir?
pour une coopérative financière dynamique. La réponse est à Cotelam, l'une des plus grandes coopératives d'épargne et de crédit à date en Haïti, avec près de 100 000 sociétaires dans le département de l'Ouest et plus de 25 ans de confiance réciproque. Bien s'occuper des gens, le premier principe pour bien s'occuper de l'argent. Crédit Technologie, c'est un nouveau produit Cotelam. Ou jeunes, et ouvrez ouvrir porte opportunité à bon jeune équipement moderne, laptop, smartphone, écran plat, système son, etc. Ou gain bon l'idée, côté l'âme à aider ou investi et ou à payer non capable. Passez vite dans n'importe quel salle côté l'âme pour ouvrir canet aujourd'hui à même. Côté l'âme fonctionner 7 jours sur 7 et même jour férié. Côté l'âme, on entretient les gens, on entretient leur argent. www.cotelam.com ou téléphonez au 2230 61 63 2230 61 65. Dans un jour, depuis tout document correct, tout opérateur autorisé capable de brancher sur Internet et puis régler toutes affaires avec la douane TrapD grâce à nouveau système Sidonia Wordla. Nouveau Sidonia Wordla permet opérateur de payer Bodro douanier online à partir de n'importe banque commerciale. Même si vous continuez à payer dans le guichet BRH. Nouveau Sidonia permet la douane faire plus bon contrôle sous marchandises cap livrées sous garantie, sous gestion dossier colis expressio, sous marchandises cap passer dans le pays pour aller dans l'autre pays. Il permet tout bon contrôle fait. Sous produits et marchandises, n'a voué vendre l'autre bord de l'eau. Nouveau système n'a bail un pile gros avantage à coopérateurs et entreprises qui signent accord confiance avec la douane. Bel avantage. Noueli, la douane a bail plus facilitation. En même temps, la mettez plus contrôle tout week avec nouveau système Sidonia Word là. Ce nouveau système permettra un meilleur classement de la douane haïtienne dans les exercices de notation internationale et renforcera la confiance des investisseurs. Chérie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai fait une découverte. Nous découvrons une ligne de produits pour bébé, il y aurait les Youpi. Youpi, nos produits sonnent bien. T'as des gentils moumous à chanter. Joël sonnait bien, c'est comme ça tout le bon. Et c'est pourquoi je me suis tout procuré. Hein? Savon, l'huile pour le corps, poudre, crème, shampoo. Qui maman qui pas aimé, ouais, petite, yo, frais, belle, content à sentir bon. Tu as 100% raison. D'ailleurs, tout pédiatre d'où ça, c'est depuis les petits moumous, bébé pour balle fraîcheur, bon soin, à bon produit. La gamme Youpi, c'est tout ce qu'une maman cherche pour son bébé. D'ailleurs, son produit qui saute en Europe et qui subit des tests de contrôle régulièrement. Waouh, 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 youpi, ya, youpi, ye. Ouais, youpi, fais-moi. Youpi, en vente partout. EDH, pas la presse. Mais, li croit qu'il y a information nous doué qu'on est. Volet courant, c'est volet. Y'a mette en prison, tout le monde qui a fait zak sa yo. Et puis, pour y'a la gueule, y'a payé sa yo doué payé. Loué kay. Mais bien qu'on est dossier compte kay sa. Parce que depuis gen dette courant, kay la doué tout. Assiré ou kaye la pa gen koumè lon. Rakete ka monte sou réseau tout neuf EDH fait dans secteur industriel la, pinga, n'a payé gwa man depuis yo kembe nou. Nous mandé tout entrepreneur pour identifier employé yo ak équipement yo lè ap travail sou réseau EDH la. Attention, pa kapon. EDH ap continue fè j'effort pour le bay bon service. C'était yon message, électricité d'Haïti. Ou songez l'autre jour m'ta parlé de pompe funèbre entreprise Celsius Ange Bleu ou connait yon l'ouvri yon l'autre bureau en face à quelque a rete yon l'autre bureau mais oui l'autre jour m'ta passé moi ça me tout entré yo recevoir bien yo fait me visiter salon de l'Ange Bleu ouais belle et puis yo toujours fait l'enterrement tout oui en plus de ça yo fait l'enterrement tout partout Port-au-Prince province yo voyez aller l'autre bord de l'eau yo recevoir tout moun ki pensionnaire ona ou fatma quel que soit côté ou assuré y a recevoir yo continue pay veye gratis dans salon de l'ange bleu ak même bel service yo yo occupé incinération tout oui mes amis ange bleu ça ses anges gardien nous tout bon vrai l'a toujours avec vous en tout cas moi même moi tout parler moun la kay moi mais tout pas m'rivé pour m'aller pas quitter personne prend tête yo c'est entreprise Celsius ange bleu qui peut gagner 70 l'année souterrain. Entreprise Celsius Ange Bleu gagne deux bureaux. Un, rue José Marti numéro 1 avec 20 rue des Casernes Port-au-Prince. Téléphone 3702 4842 3702 0144 2941 0144 24h sur 24 7 jours sur 7. À
parti dorénavant et pour tout temps gaintant, nous déclarer ça fait instrument Wattpot pour faire musique dans pays d'Haïti, c'est job Electronitech. C'est pas un décret, c'est une nouvelle. Pour les guitare électrique, guitare simple, jeu batterie pour orchestre, batterie électronique pour studio, base normale là, c'est Electronitech. Instrument avant tant que trompette, trombone, saxophone, flûte, clôt encore, tout paraît bien éclairé pour pousser bon janson dans comme musique là. Quand on quitte clavier, micro avec tout notre bon jans outil pour gagner musique, Electronitech papa, ou c'est encore musique. Tout appareil plus accessoires pour studio campé sous deux pieds haute fidélité dans Electronitech. Kit c'est haut-parleur, mixeur, amplificateur, CD player, equalizer. Mais bon janson! Système son en machine, c'est mission Electronitech tout dans le pays d'Haïti. Pour blague, permet vers dans le pays ça, c'est Pigo Mac électronique ou Electronitech aligné. Akai, AKG, Electro Voice, PV, Pioneer, Servine Vega, Tascam, Chou, Denon, sauve-le encore. Electronitech chargé avec moyen pour belle alliance son avec lumière. En plus, tout gagos instrument à appareil ça, Electronitech défise branding comme plus gros fournisseur pièces à préparateur appareil électronique sous marché. Electronitech tabli dans numéro 115, rue Monseigneur Guillou, bon rue Paris, Port-au-Prince. Téléphone ni c'est 3806-0047. Transjournal ça, c'est Economic Tires qui patronne. On nous dit pas qu'à soudre la allée! Bonjour, pasteur Jessifra. Comment y est? Eh bien, non, très bien, oui, grâce à Dieu. Garde frère, pas femme baille comme ça. Comment, ou t'es malade, t'es femme pas au vin prier dans le temple samedi passé? Ah, m'bap bon, m'en dit pasteur. C'est même pas ça, m'bap kavin. Au contraire, c'est gros, j'ai femme fait pour m'en samedi ça. Ah, ben, moi, m'tare, mais qu'on est, si ça t'intéresse ou comme ça, si un pécho vin la prière, bon Dieu, samedi passé. Regarde, frère, nous, dans le dernier temps, ou bien, nous, pas qu'il y a un paradis. Oh, pasteur, ou pas dans le pays, chaque samedi, Economic Tires là, il y a un programme tête chargée pour chauffer pareil, moi, oui. L'île ouvre chaque samedi, sorti dans 8h du matin pour 4h l'après-midi. Bon, chaque samedi, c'est pas craser le craser prix, non? C'est exploser l'exploser, en 1000 morceaux! Mais sous ça, il y a un paquet de services gratis, t'as coup lavage, graissage et la trier. Qui ça? Depuis quand t'imagines moi, j'ai besoin de bouge en batterie, service à caoutchouc. Ah oui, ma plongée dans l'économie de Taez pour trop ta babarim. Mais oui, m'apprécier à l'école en bavier ma caoutchouc de gringoche pour m'offrir tête moins bouge en produit de qualité. Ah oui! Regardez, dis fidèle, y'en a ouais samedi prochain si l'éternel sait-il faire. Oh, pasteur, et pour quoi y'en aller? Na ouais! Ça passe? Samedi prochain, ok, mets ton cœur à prendre back again. Économique, ta réserve, l'esprit d'équipe. On peut écraser, qui a déchiré, des éléments divers. S'il faut que la radio serve et soit au centre de votre vie quotidienne, que le 88.5 MHz FM soit votre choix le plus cher. Oui, Monseigneur Zaché Durasinc, chef de l'église anglicane dans le pays d'Haïti, l'église épiscopale, c'est lui-même qui est invité, non? C'est lui-même nous va le recevoir tout à l'heure et sous conjoncture politique, là. Mais juste avant d'ouvrir une autre session d'information, qui a peiné nous dans Caracas, capitale pays Venezuela, côté opposition, on était dans la rue. Je ne j'ai dit, mais t'es une bataille qui pétait avec la police pendant la manifestation, ça. Plusieurs milliers opposants contre Maduro étaient dans la rue et exigé pour Nicolas Maduro quitter le pouvoir. Et c'est, et ça fait quatrième et fois, et dans ce maintenant, et que des manifestations qui fêtent dans le pays, ça, qui embargo bouleverse politique et économique.
dans quartier la Campigna, te gen environ 4000 manifestants, la police ak garde national là, l'armée qui t'a empêché yo passer, yo te lagué gaz lacrymogène sur yo et puis te gen gros pompe pour t'a voyé de l'eau ça les canaux à eau et puis avec balle caoutchouc t'a tiré sur yo pour empêcher yo passer d'après ça journaliste AFP te sur place fait connaître. Gen certains là dans yo qui te gen passeport taille dans figure yo mais qui pas traité bras croisés. Qui te ramasse en pile bitu de détail te voyé sous l'armée avec la police. Pas gen ken moun ki blessé selon information officielle yo, mais journaliste AFP yo di yo constaté gen deux policiers qui te prend un cocktail Molotov. Et puis affrontement te éclaté entre manifestants qui t'a tenté pour aller dans mi-temps capitale là Caracas, côté c'est la toute institution l'état yo qui en bas contrôle Tiavisio en étant et parlement que opposition dominait depuis dernière élection pour t'a fait des voix mais la mer avec la police pas de quitter aller et manifestation ça a duré environ 2 heures de temps bataille côté et fait casser tête tourner al cacher fait tentative guérilla urbaine pour essayer de capable retourner al paraître dans l'autre corridor dans l'autre côté dans ville là mais c'était peine perdue parce que t'après le gagner bataille qui t'après fait avec la police qui t'est persisté juste dans commencement après-midi dans plusieurs quartiers dans Caracas mais pas arrivé à faire gros groupe dans mi-temps centre-ville là. Et centre capitale là côté partisan Nicolas Maduro était déplotonné était occupé pour te faire ça aller une grosse fête culturelle sportive à récréatif et bon côté opposition c'est colère eux-mêmes ils ont fait tendre surtout après sanctions et que régime dans son prend pour empêcher une leader Enrique Capriles et pour capable participer dans la vie publique pays pendant 15 ans sanctions ils ont pris contre monde qui fait irrégularité les gain administration d'État y a géré et Capriles qui était candidat dans élection qui était perdu devant Maduro pour un poilième et voit monsieur toujours en tête État Miranda qui c'est un État qui plus riche dans pays Venezuela et monsieur dit il pas prêté là et Maduro met blier ça il va contester mesure et il fait carré ouais. Et gen l'autre partisan qui dit y a pour qui est capri ak pi bel dan et ben c'est mon capri en dernier c'est lui même cap gen tout dan cap dehors d'après ça il fait connait faut que dit économie pays a crasé peuple li nan désarroi total capital puis gros richesse pays ça c'est pétrole et prix pétrole la baissé sur marché international là vinn faire que gouvernement li gen en pile difficulté pour même produit première nécessité médicaments moun ne pas ka jeune. En pile là de pas cacher colère tant que Vanessa Garcia qui a 37 ans qui sont étudiantes dans optique li fait connait que le bouquet à corruption à grand goût à misère mais quoi et que yo pensé que là yo bail yo prend sanction ça contre Capriles il a fait que monsieur pas participer dans élection et que yo pensé pour mettre babouquette dans bouche nous yo trompé. C'est ça Aixa Hernandez qui dit même dans question a fait Kai, Louis Kai, Bati Kai qui est 55 ans déclaré dans cortège là. Gen pile là-dedans yo qui te gagné portrait Capriles nan main yo qui gen 44 ans sous tête gouverneur que yo a supporté. Nous pral wè qui est-ce qui pral ri en dernier. N'a pour ça très bien avant longtemps dans la rue Caracas, ça Capriles écrit sous compte Twitter. Et faut que nous dit chef l'État était critiqué à toute force hier Maduro. Et Capriles, il dit qu'il finit politiquement. Opposition qui a cherché pour le joindre et pour Maduro, qui a 54 ans sous tête, héritier, qui avait quitté le pouvoir, qui est très impopulaire, étant donné que Jean Chris Dabra poursuivre et Jean Mounio a subi, et 10 semaines prochaines, il y a dans la rue encore pour faire manifestation. D'ailleurs, je dis que c'est 10 000 opposants qui étaient défilés dans la rue Caracas. Et pendant te gagne un gros accrochage avec la police, te gon jeune homme 19 l'année et qui mouri. Et te gagne 19 l'autre monde qui te blessé et 30 monde la police te arrêté. Crise politique ça, li pété dans dernier forme ni là avec les élections législatives 2015 là, opposition arrivé remporter majorité dans siège et qui chaviré et Tiavisio dans parlement. Et li vient prendre une autre dimension les semaines passées. Pigo tribunal pays à cour suprême nan yo dit ki dans main président Maduro pendant un petit temps déclaré li mettait parlement à terre il prend pouvoir parlementaire et li retirer immunité yo
ça provoque un tollé national tant que international côté même proche pouvoir tant que procureur république là dit pas ca pour te coller nos bagages comme ça même s'il appuie Maduro parce que là c'est craser toute institution dans pays là. Et sous plan international, Washington en tête, levé campé et yo exigé et yo rivé obtenu et que la Cour suprême n'en fait bac parce que opposition était déjà mobilisée pour dire que son coup d'état et que Maduro fait avec la Cour suprême n'en pour prendre tout pouvoir dans le pays Venezuela. Devant situation ça, Maduro râle un bac stratégique. Mais Mundan qui s'étable pour unité démocratique là qui rassemblait toute opposition en pile fois hétéroclite, mais qui kembe quand même depuis plusieurs mois, pour ne pas dire années, fait qu'on ait bataille la red, ben, il y a bras poursuivre. Venezuela, déjà fait face à plusieurs coups d'État, donc en 1992, et pays ça qui c'est une dans pays, il a dit qu'il y a plus de violence sur la planète, non? Et fait face tout à une série de manifestations, côté, c'est des dividal monde, donc on a l'année 2014, non? Et côté pour Pipiti, dans une série manifestation, ça a été 43 personnes qui ont mouru. Donc, crise politique là pour poursuivre dans le pays Venezuela. La Caipanou, un groupe de mesdames qui c'est des protestantes qui fait partie de Fédération protestante d'Haïti, organisé premier congrès mesdames l'église protestante. Aujourd'hui, dans l'église Rock Solide, dans Tabar 27, commune Tabar. Premier congrès national, mesdames, ça a déroulé en présence plusieurs personnalités et puis t'es gagné plusieurs monde qui t'es pris la parole dans occasion ça qui sortit dans 10 départements géographiques pays. Femmes chrétiennes, miroir spirituel, intellectuel et social, c'est thème ça qui était débattant pendant déroulement congrès ça. Objectif li, c'est mettre en valeur capacité mesdames yo gagné pour faire pays avancer spécialement communauté évangélique yo et puis avec et famille yo. Et d'après pasteur Bernadette Delinois d'Or, une dans trois intervenantes yo et de l'autre qui était prend la parole, c'est pasteur Ninad Jean ak ancienne directrice générale ministère santé publique et population docteur Guirlaine Raymond Charite. Pasteur d'Or encourager mesdames yo et former tête yo pour non seulement pour épanouissement personnel yo mais tout pour yo capable contribuer positivement dans progrès pays a ak progrès monde là. N'a coûté pasteur Bernadette Delinois d'Or l'intervention te fait dans occasion premier congrès femmes protestantes qui fait jeudi a. Il te parlé comme ça dans micro Emmanuel Tolem Brina. Les femmes peuvent faire beaucoup de choses ensemble si elles sont unies. Si on met tête ensemble, on peut réaliser des choses extraordinaires. Et quel est l'objectif de ce congrès? C'est d'enseigner les femmes, de les apprendre, de les faire croire, de les rappeler les principes de la vie et ce qu'elle est, ce qu'elle représente dans la société, la valeur de la femme et le rôle de la femme dans la société. Mon attente personnelle, j'ai fait un long voyage pour venir parce que je crois dans la capacité de la femme. Je crois que lorsque les femmes se mettent ensemble pour travailler, elles peuvent non seulement changer le visage de la société, mais elles aussi, le visage de la famille peut être changé aussi. Et nos maris, les frères, les enfants, les garçons, nos enfants auront une autre visage, une autre image. Parce que lorsque maman prend sa place, ou bien la femme prend sa place aux côtés du mari, la femme éduque les enfants. Par exemple, moi, je suis intervenue sur la partie spirituelle. On a vu lorsque la maman de Timothée s'est investie, la grand-mère de Timothée, spirituellement, dans l'éducation spirituelle de Timothée, et ça a fait beaucoup, ça a changé beaucoup. Il faut qu'on investisse non seulement spirituellement, intellectuellement et socialement dans la vie des femmes. Et les femmes aussi doivent elles-mêmes en retour transmettre la connaissance qu'elles ont apprise, que ce soit sur le banc de l'école, que ce soit dans la vie quotidienne. Voilà, pasteur Bernadette Delinois d'Or, Soubopal, vice-président de la Fédération protestante d'Haïti, docteur Eugénia Romain, déclaré après, il a fini de faire congrès, ça, un comité suivi, il a monté pour ramasser doléances, mesdames, yo gagnent, et pour, yo cap soumettre li, bah, l'État haïtien à communauté évangélique, yo, dans le pays d'Haïti. Et pour docteur Romain, journée congressa, et c'est un réveil spirituel, intellectuel pour mesdames, yo,
li encourage yo pour prendre temps ak patience pour mettre connaissance dans tête yo. N'a pas écouté vice-président de la Fédération protestante d'Haïti, docteur Eugénia Roumain, toujours dans le micro, Emmanuel Tolembrina. Son activité qui fait jodi an parce que depuis 30 ans, Fédération protestante d'Haïti t'a remé faire un congrès pour les femmes et familles. Alors, moi-même, comme vice-présidente de la Fédération, même l'année dernière, j'ai été essayé, ça n'a pas marché. Comme vice-présidente de la Fédération protestante d'Haïti, je prends décision, je prends initiative là, je soumets au comité exécutif. Et puis ça y est, et puis événement fait jodi an. Pour moi-même, son succès. Vous comprenez ça, son succès? Grand l'église là, qui compte 5000 et quelques personnes, mais nous l'en presque 4000 personnes. Donc ça fait que, premièrement, c'est pour moi qui était préparé. On va même prendre 2 mois pour me préparer ça. Mais il faut dire, nous travaillons en pile. Donc, je suis content, journée 1. C'est une grande premier congrès national pour les femmes chrétiennes et familles. Et donc, son joie énorme pour moi, je suis content de ce que nous avons mis les femmes à l'honneur aujourd'hui. Ok, c'est jour mesdames aujourd'hui hein, et c'est ça que fait l'organe. Et mesdames, il y a une revendication pour vous faire. Grand plus de témoignages, j'ai commencé hein. Alors nous disons un petit temps avant que vous passez pour vous faire témoignages, je pour vous faire des revendications, des doléances. Journée ça, son journée de réveil spirituel. Donc, à gagner des informations qui vont bail, nous allons informer mesdames, nous allons poser des questions, nous allons informer et nous allons faire des recommandations. Il y a même qu'à faire recommandations surtout et recommandations à faire des suivis. Voilà, vice-présidente de la Fédération protestante d'Haïti, docteur Eugénia Roumain, l'occasion premier congrès femmes protestantes qui fait jeudi à la commune Tabar dans l'église Rock Solide de Tabar 27. Il y a plusieurs personnalités qui étaient présentes. Nous parlons de l'ancienne directrice générale du ministère de la Santé publique et de la population, qui est une protestante pratiquante tout, qui était fait intervention. Docteur Guylaine Raymond Charite. Et il y a tout et nouvelle directrice générale INFP à Madame Maggie Durcé. Et il y a tout ancienne secrétaire d'État alphabétisation Madame Paul Nabutus. Et ancienne candidate pour poste sénateur département de l'Ouest, Madame Sabine Duvivier-Morpo, avec plusieurs centaines de femmes qui sont tout partout dans 10 départements géographiques pays, d'après sa reporter nous, Emmanuel Tolembrina précisé. Nous allons extraire dans l'émission Intérêt public qui a passé demain matin sous problème économique en pays d'Haïti, surtout question goudla par rapport à dollar. Dans l'occasion, ça va recevoir 3 économistes, ancien gouverneur Banque Centrale, là, Fritz Jean, et un jeune économiste Edzer Emile, et puis avec professeur économiste Camille Chalmers. Il y a une chose qui est très important pour nous comprendre la question goudou là, tout change, c'est que c'est quand même un phénomène complexe qui est expliqué par plusieurs facteurs. Plusieurs facteurs. D'abord, capable de catégoriser en des facteurs conjoncturels, mais surtout des facteurs structurels. C'est-à-dire, pour jouer une raison, en dans l'économie. Mais tu es capable de catégoriser le tout par rapport à facteurs, soit de type économique, politique, même social, et même extérieur. Maintenant, on nous garde des facteurs structurels, qui ça veut dire, ou économie, à un certain moment, qui t'a gagné quand même une grosse force de production et d'exploitation agricole. Je vais juste un petit rappel. En 1970, l'agriculture était représentée 45% PIB pays d'Haïti, avec une vraie capacité de production et d'exploitation. Donc c'est lui qui était représenté contrepartie pour goudla par rapport au dollar. Vinrivons-le, nous pas produit encore agricole, nous pas exporté encore, donc vin pas gagner qu'on y a un élément pour camper en face dollar là pour capable faire équilibre là. Donc il y a deux sources de revenus qu'on y a principalement, c'est don avec prêt que a fait pays a et puis transfert diaspora. Maintenant, par rapport à la quantité de produits qu'on a importé chaque jour, deux éléments ça n'est pas suffisant pour capable de nous faire balance là. Donc maintenant, qui sens que structurellement, le modèle économique nous n'est pas capable de faire équilibre de dollar là. Maintenant, mettez sous ça, toute question crise politique que nous ne pouvons jamais suspendre finalement avec eux, qui sont élections qui ont mal faites, élections qui ont refaites, gens qui ont passé. Et sous manifestation, instabilité, changement de gouvernement. Donc, qui c'est quand même des éléments qui a alimenté question ça. Mettez sous ça
nous font quantité à année, nous pas gagner des gestion publique, finances publiques qui saine avec discipline que nous pas gagner tout temps, côté que dépenses toujours dépasser revenu que nous fait dans l'état, côté que gagne une bonne réalité tout dans niveau et commercial, j'aime juste aller là, déséquilibre entre importation et exportation, que chaque année nous quand même fait des pour chiffre importation, croissance a toujours dépassé chiffre exportation. Donc, au bon gap qu'a prouvé chaque jour, surtout à partir des années 80. Donc, qui vient encore plus large chaque jour, qui vient faire que dollar que n'a pas rentré dans l'économie, hein, avec exportation et fonds diaspora, mettez sous ça prêt et don. Donc, il vient très faible par rapport à, il vient très faible par rapport à ça nous-mêmes, n'a pas voué de yo. Donc, la question de goutte dollar son un rapport simple entre dollar qui rentre et dollar qui sorti. Donc si modèle économique là pas permet qu'on rentre plus dollar dans l'économie avec exportation, avec investissement étranger, avec diaspora, avec de l'autre question, donc laisse ça ou pas en difficulté. Il faut dire que Banque centrale l'a fait annonce là, mais pourquoi gagner injection qui fait sur marché avril 220 millions de dollars qui a parlé. La Banque centrale là de commencement année fiscale là à Kounia là intervient pour 49 millions de dollars. Donc 49 millions de dollars, ça, c'est, ils permettent, ils ont un peu tamiser tension qui est sur le marché. Mais pas oublier, ça pour nous regarder, c'est que, il y a un élément d'ajouter sur ça que Emile se dit là, c'est que, au-delà de questions de posture d'importation, gagner anticipation mounio acteurs sur le marché. Et par rapport à comportement gouvernement, pas oublier, comportement passé, ils ont un peu dicté ça que moun pensait que le gouvernement pourrait le faire, dans une période bien déterminée. Ou un gouvernement qui a à peine vini, un gouvernement qui fait une série de promesses électorales. Donc, il y a toute une tentation, et le monde connaît, comprend une tentation ça. Pour le gouvernement ça lui-même, il peut agir sur une série de facteurs pour permettre, lui plus ou moins, montrer que la travail ça signifie qui ça. Dans la mesure où nous ne recevons pas d'aide au niveau international, ça signifie qu'on peut enfoncer le déficit budgétaire. Et le déficit budgétaire là, qu'on y a là, dernier chiffre que nous gardons, un déficit de 2 milliards de dollars en termes de financement Banque centrale. Mais 2 milliards de dollars, ça, c'est ça qui est enregistré. Une série de l'autre financement que nous ne sommes pas sûrs. Ça veut dire qu'au cas gagné, une série de squelettes qui tapent dans l'ombre qu'on connaît. Ça veut dire entreprise qu'on doit, monde qu'on peut payer dans l'institution de l'État. Tout ça, c'est des éléments qui créent une sorte de doute sur la capacité système que nous gagnons là, qu'on y a là, pour le cas maintenu, goudla, au niveau de stabilité. Donc, si vous voulez, anticipation acteur sur ma chair, extrêmement important dans le comportement goudla lui-même. Et anticipation, on a dit, c'est anticipation qui est généralement négative. Sous garder et moudla environnement, donc, mounio, antigen, aptan. Et d'ailleurs, tout ça qui a fait circuler sous question de 75 goudes pour dollar, l'ambassade américaine, là. C'est probablement. Son préparation psychologique. Que on sait où de monde a fait. Mais, on peur tout, sous ma chair. Et de bout en bout, il y a une peur où il y a des gens qui entrent dans le processus de thésaurisation. Comme monnaie, ça, vous pensez que monnaie, ça, est faible, bout de noir. Donc, les gens thésaurisent nos monnaies que vous pensez qu'il faut, qui valent monnaie dollar. Là. Donc, en plus de questions d'importation et exportation, il y a un comportement acteur sur ma chair. Et comportement pour le dicter thésaurisation, comportement pour le dicter refuge, en monnaie refuge, et monnaie refuge dans sens ça, l'abdollar. Là. Sous même logique, dollarisation en tout, dont il est extrêmement important, c'est que et crédit qui est disponible en Haïti, le financer importation. Ça veut dire qu'on a des masses de liquidités qui, au lieu que financer des activités productives, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'industrie ou dans d'autres secteurs, il y a plus de tendance à financer des importations. Il y a de financer des biens de consommation, hein, et c'est des biens de consommation importés. Donc, plus crédit on peut aller vers ça, c'est plus on approfondit dépendance pays, hein, dépendance commerciale pays, hein, c'est pas, et on a gagné une invasion permanente de biens importés. Donc, ça, c'est un mécanisme, je pense, qui est très, très important au niveau de gestion crédit. Hein. Hein? Et Banque Centrale gagne levier pour intervenir sur question ça, de façon que le Takara oriente le crédit beaucoup plus vers des activités productives, c'est pas, qui est capable de créer emploi, créer production. Et l'autre point important, tout, c'est que vous gagnez un marché, un espace économique qui est de plus en plus centré autour des activités spéculatives. C'est tombé avec là déjà, même parce que au cours des dernières 20-30 ans, elle a bien aggravé, côté que le processus d'accumulation, hein, il n'est pas fait sous production, il est fait sous bassin de consommation qui transmet à travers les 2 milliards de transferts de la diaspora, c'est pas, et un peu aide internationale, et puis, on a consommé.
et mon a consommé et c'est autour de mécanismes de consommation ça aucune accumulation fait à travers notamment bien accès service. Oui, à travers découplage qui gagne entre prix qui sont marchés internationaux là avec prix qui pratiquaient au niveau national, puisqu'au grand espace économique extrêmement concentré, sous faire liste de produits de consommation de massio, ils ont toutes contrôlées par 3 ou 4 opérateurs, 3 ou 4 familles contrôlées toutes. Donc évidemment. On parlait de du riz. Du riz, l'huile, l'être, viande, farine, sucre, etc. Tout bien ça. Vous faites liste, on pourrait c'est 3 ou 4 familles, parfois c'est 2 qui contrôlent. Vous avez peut-être tout petit marché dans la rue, avec bichette dans le meilleur, avec petit bac. Yo contrôlé, yo contrôlé espace ça, yo contrôlé prix yo. Parce que là, mon y a l'acheté, non mais yo pour revendre. Yo bon paquet de petits machins dans la rue. Ok, donc mécanisme ça aussi. Et mais qu'on a et service. Et puis troisième bain, t'as souligné par rapport à question ça, que parce que Milte Fleury, c'est la question de exportation de capitaux, fuite des capitaux. Ça veut dire que gain ou mécanisme financier au consongeant pour que l'argent parte dans le pays. Avec depuis l'argent entré, gonjant pour le ressortir rapidement. Ok? Soit à travers des consommations directes, soit à travers financement des activités qui sont de plus en plus externalisées, par exemple l'éducation, la santé, même les loisirs, etc. Donc des familles, tout famille autour qui font en deux, ou partie de la famille à vivre à l'extérieur. Perte de confiance dans le pays, fait que de plus en plus que les activités qu'on fait dans l'extérieur. Et famille à vivre transnationale. Ils ont développé de plus en plus d'activités en dehors du territoire national. Et activités, ça, très souvent, c'est le cap financier. Ouais. Donc, et ça, et évidemment, avec l'idéologie néolibérale, là, pas d'affaire de contrôler la circulation de capital. Il faut que ça soit sorti, entre les gens qui veulent. Donc, c'est que l'ensemble de questions, ça a montré que pour capable lutter sous question de dépréciation de la goutte, ça a demandé des réformes structurelles. Ouais, c'est pas des bagailles. Bon, évidemment, l'intervention conjoncturelle, qui est toujours important. Mais il faut être capable d'entrer dans des réformes structurelles, l'architecture, le système financier même. Voilà, c'est Inter Public demain matin, rendez-vous à 8h sur le problème économique, problème goudla par rapport à dollar, et qui côté et racine problème dans ce titre, 3 économistes, Fritz Jean, Edzer, Emile et Camille Chalmers, demain matin. Sans transition, on a venu avec invité journal 4h après-midi, chef l'église anglicane en Haïti, Monseigneur Jean Zaché Durassin, sous conjoncture politique là. Il lance un appel pour fondateur RNDDHO, qui donc l'a parlé avec Pierre Espérance, Marie-Hélène Gilles, pour faire un effort de dépassement pour pas craser organisation ça qui fait partie du patrimoine en pays. Il demande pour une réconciliation qui fait dans mi-temps deux fondateurs RNDDHO. Et après démission madame Marie-Hélène Gilda qui fait avec fracas semaine ça, nous connaissons qui sont véritables tremblements de terre qui passaient dans le secteur démocratique là. La prépondre question Beethoven François Fils. C'est une situation extrêmement difficile depuis quelques temps. Et nous gagnons un nouveau pouvoir là qui est venu. Moi, je pense que il n'est pas facile pour aucun monde qui prend pouvoir qu'on y a là. Vu situation en lien, vu que situation sociopolitique là est toujours difficile, il y a des cataclysmes naturels qui viennent augmenter. Il faut que tout le monde là joue rôle que vous avez pu jouer dans la société, pour nous voir que si nous sommes capables de sortir, pour tout le monde faire preuve que vous remet pays, vous remet pays à avancer, vous remet que nous sortis dans situation sous-développement que nous y là, naturellement, parce que c'est pas du jour au lendemain, ça pourrait le faire. Même penser que nous avons besoin des signaux qui clairs, qui pour bailler l'espoir. L'espoir, c'est pas seulement rester dans l'espoir. Là, faut quand même nous arriver à concrétiser tout ça que nous avons dit. Mais cependant, penser que nous avons besoin des signaux qui montrent que réellement, nous avons allé vers l'avant. Nous pas capable de rester dans la situation que nous vivons aujourd'hui, là. Conjoncture n'a vu dernier temps, ça y est, qui paraît difficile, en pile, mon relatel, là, ou même. Qui j'en vois, train de Mézi, président Jovenel Moïse annoncé, dans le cadre de lutte, pouvoir contre, corruption, pour capable de réduire sous train de vie l'État, parce que l'État, li grand pile dépenses li fait yo grand pile stock et machine k'ap monter descend machine rololo li annoncé des mesures qui j'en ouais yo même bon moi m'kwè li bon lè w ap diriger m'pense que li bon mais on seul bagage nou kwè que tan pou un pile moun di l déjà que c'est pas première fois gen mesure ça yo qui annoncé par gouvernement gen l'autre gouvernement qu'on habitué fait ça déjà ça qui plus important c'est l'offre annoncé mesures ça yo réellement faut qu'on prend mesure à vrai
il faut qu'il applique. Donc on croit que population lui-même l'attend application mesure ça yo pour que pays d'Haïti capable apprendre vivre tout d'abord à ça qu'il gagne. Normalement l'autre aide va venir l'autre côté etc. Mais nous même pour nous faire preuve que nous capable gérer ça nous gagne parce que c'est très important. D'ailleurs on a vécu dans un pays qui est trop dépendant. Non seulement faut le prendre mesure ça, faut le taper mesure ça, mettre en application, mais faut gagner l'autre mesure qui prend pour protéger ça nous gagne, ça nous capable produire, faire pays capable avancer, pour faire pays capable aller de l'avant et puis pour faire face à la situation socio-économique que nous vivons aujourd'hui. Moi tout, on parlait de question j'ai fort de fait pour relancer production nationale, pour améliorer conditions la vie monio, mais grand pile monde qui gagne de risques, qui a des têtes chargées pour c'est pas des bagages qui annoncent comme ça. Pour relancer production nationale là, ça très important. Très important pour encourager agriculteurs nous yo pour yo travail. On croit que les bons même artisans nous yo gardons situation que nous gagnons aujourd'hui là, monde presque pas intéressé à prendre métier, à noter comme tailleur, cordonnerie, donc monde presque pas voulait apprendre encore parce que comme nous ouais, gagne des bagages l'autre bord qui envahit le pays là et ça tout fait et production nationale là tout ça. M'entendez que lui parler de agriculture parce que qui très important lui parler d'un caravane qui a débuté très prochainement. Bon c'est bien et mais ça pas fait pour rester là seulement, c'est dans tout aspect production nationale là pour nous encourager mon yo pour yo produit. Nous non pays qui ont gros crise économique et crise sociale et tout le monde concerné, il y a plusieurs régions dans pays à mon yo après dans moi ou dans grand sud là 6 mois après catastrophe là mon yo par contre qui s'en pour reler bah là pas bon du tout. Moi ouais gagne des autorités qui allaient l'idée pour nous est-ce que l'état présent vrai qui cap répondre à besoin fondamental mon qui vivent dans région ça yo et ces sont citoyens qui n'ont pas loin rivé et m'a regardé là gagne paquet mouvement social dans ces entreprises dans administration publique là tant qu'on là pour des comptes mon yo mobilisé tellement bagarre là pas bon et ces mêmes mouvements ça tout gagne plusieurs l'autre côté ça il inquiété mon monseigneur il faut l'état tirer leçon des bagarres. Par exemple si nous prend ça qui s'est passé dans grand sud là gagne en pile mon en pile ONG en pile institution qui courir dans zone ça après des gars fin rivé après cataclysme non? Et puis penser que grand bagage qui était fait, regardez ça, regardez tableau, regardez comment l'état a réalisé que la l'autre bois tout le monde c'est lui même y attend bon contrôle qui pour faire tout bagage ça pas livrer pays à ba ONG. ONG c'est charité, au fait charité, pas gain aucun programme de charité capedo développé. L'état a réalisé que là au fin livrer pays à ba ONG, yo fait intervention non série de situation, on a réalisé que nous toujours même côté, as nous pas pis mal même. Et c'est ça justement qui est là. C'est pour l'état gouvernement servir avec ça comme leçon pour planifier. Par exemple, vous parlez des saisons cycloniques là pour arriver, eh bien pour planifier bagage ça au monde capedo yo. Nous pas dit que pas doit aider, nous besoin aide là, mais pour yo capable suivre instruction l'état et qui j'en comprendre gros crise qui frappé réseau national qui a défendu droit monde RNDDH pendant semaine là, ça t'est fait là une actualité là. Moi connais RNDDH avec l'église anglicane, nous habitué gain de communiquer tête ensemble, nous signer dans initiative nous comprend au nom de la société civile qui j'en comprendre crise ça qui frappé réseau à dernier temps ça monseigneur. Moi j'ai bien malheureux et crise ça vient arriver. Crise arrivée là, c'est pas une situation les nouvel là pour un peu le monde a pris à prendre. Non, nous besoin d'institution ça. Il dit des monde qui dans institution yo et institution les mêmes. Les m'a suivre madame Gilles, li pas attaquer intégrité monsieur Espérance, on croit que li sentil blessé du fait que yo té recevoir subvention. Il pat même au courant de ça. Alors moi-même, mon bagage, m'ta capable dire c'est que toute institution ça a eu, qui pas des institutions qui fait des activités qui rentables, y a pas investissement, y a besoin subvention. Ça que nous-mêmes, nous capable dire tout d'abord c'est que peut-être côté li prend subvention, hein, li pat doit prendre là, parce que sont peut-être une institution lui-même tout qui sujet à critique, etc. Ça capable mettre RNDDH
dans une situation difficile pour ta critiquer l'institution ça. Mais c'est pas subvention en lui-même qui est mauvais parce que l'institution ça, il faut que j'ai une subvention pour être capable de fonctionner. Mais l'aime garder tout, d'après ça, il dit, la subvention à aller dans RNDDH, c'est pas une subvention personnelle qui a allé joindre un monde personnellement. Ceci étant dit, il faut que il est capable de faire une façon pour que quand même il réconcilie. Mais c'est ça que je souhaite moi-même. Parce que nous avons besoin de RNDDH dans la société pour le travail déjà fait déjà. Pour le risque que vous prenez déjà, pour l'engagement que vous prenez déjà ensemble, eh bien, je pense que d'après ça, je pense que ce n'est pas un bagage qui est extrêmement grave qui peut permettre que deux mouns sa yo pa jam travay ansanman. Moi-même t'a encouragé. Yo reprend yo, yo ressaisi yo. Un malentendu qui passe, réellement. Et RNDDH dans situation côté d'a traverser un désert. Avant, c'est nous t'avoué que pas que la pote résurrection pour lui, nous t'a bien content. Voilà, Monseigneur Zaché Durassin, chef l'église anglicane dans le pays d'Haïti, dans le micro, Beethoven, François Fils. Journal 4, précision sans manque. Priorité auto-école. Voyez, dis-nous que programme formation chauffeur conducteur pour la RIA de démarrer normalement. Auto-école là, qui est même principe, là, une formation correcte qui alliance bon connaissance théorique, pratique et même technique. Nous rapide, mais nous pas d'accord avec formation pas chiment. Pas de priorité auto-école l'ouvrir pour tout le monde qui voulait suivre voie normale, meilleure voie. Prix nous abordable et nous gagnons coût selon niveau chaque monde. Priorité auto-école numéro 74, rue Martin Luther King, Nazon, téléphone 3719 6906, 3467 88 86, 3600 85 31. Non, Bayonne, dans le pays basque français, côté Gompage dans l'histoire, pays la France avec l'Espagne. Et qui tournait, est-ce que c'est vrai pour français, mais il n'est pas vrai pour espagnol, organisation, ça veut qualifier de théorie sur les ETA, et qui était annoncé dans un communiqué de TV by BBC, l'a désarmé tête de façon totale capitale, journée jeudi, il est livré by autorité française, une liste côté le serré armes et munitions, dans le territoire français, un geste que le gouvernement français a salué, mais que le gouvernement espagnol l'a dit, pas marcher la donne. Et, côté que, organisation ça, qui est en faveur indépendance, pays basse espagnol là gouvernement espagnol là mandé pour et fond tête li et pour pas exister encore ETA et qui était renoncé dans l'année 2011 là pour pas peine lutte armée encore ni en France ni en Espagne baïk autorité française yo yon liste 8 côtés que le caché zam ak explosive et ça qui était dans la SNAL li. Et yo nan département Pyrénées Atlantiques en France qui gen frontière avec pays Espagne, gen 2 qui trouvé dans pays Basque, gen 6 qui dans zone relé Béarn. Et ministre intérieur français Mathias Felk salué pour lui-même un gros pas qui fait journée aujourd'hui, il dit son jour extrêmement important pendant qu'il rend hommage à toute victime organisation ça qui a goumen pour indépendance pays basque espagnol. Dans Madrid, gouvernement et Mariano Rajoy là pas reconnaître j'ai ça, il fait qu'on ait été à parler l'autre bagaille pour le faire, c'est annoncer que l'écraser définitivement et demander toute victime n'y a pardon et disparaître de planète Terre au lieu pour y a monter de opérations médiatiques pour faire show business pour cacher échec yo, le fait que yo fait yo prend une défaite, c'est ça le gouvernement espagnol l'a affirmé. Depuis hier, gouvernement espagnol là t'es déjà vu un pinga by ETA. Li dit que ETA pas vient dans quel avantage dans le gouvernement espagnol là, en quel bénéfice politique concernant soi-disant désarmement unilatéral. Mais les policiers français ont arrivé dans zone nord, ils pas jamais saisi comme ça pour être député européen, ancien syndicaliste José Bové qui est déjà sous place qui t'a servi de guide et côté pour t'a découvrir côté cache et côté que yo t'ai caché zam sa yo. Et donc une situation s'il paraît fermé et pour gouvernement français pour gouvernement espagnol là c'est pourquoi ça fait ça n'a vini la caipanou gagne une délégation organisation qui est les têtes li groupe 38 militants démissionnaires en parti kid qui devine dans studio radio Kiskeya journée jeudi alors c'est groupe 38 plus qui était passé dans radio Kiskeya pour déclarer, yo choqué, il a appris une démission, madame Marie-Hélène Gilles, dans RNDDH, coordonnateur groupe ça, Manel Loire,
dit-il songer tout bon service que organisation ça et rend peuple haïtien, mais ça pas empêché groupe 38 plus là déclarer madame Marie-Hélène Gilles qui a toute raison pour démissionner dans tête RNDDH parce que d'après ça le dit ou pas qu'à mêler une de l'eau propre à de l'eau sale. Nous avons cité et responsable organisation. Nous avons été coordonnateur groupe et G38 plus temps qui c'est des mondes qui étaient dans qui démissionnaient. Manel Laurent qui était parlé comme ça dans le micro Gervens Ricardo Jean-Jacques. Présence non dans radio Kiskeya c'est pour nous dire avec un pile chagrin nous tendez nouvelle démission Marie-Hélène Gilles dans RNDDH et nous connaît qui ça madame ça te représenter pour population et ça rappelait 2006 là nous ta bataille contre révocation arbitraire nous te sibi dans l'ONA en bas Messandro et te gen 5 moun yo te arrêté illégalement dans nos manifestations soudainement c'est l'Hélène qui te monté fort dimanche qui te utilisé toute voie légale constitutionnelle pour parler avec responsable commissariat fort dimanche heureusement qui te comprendre réalité a qui te libéré 5 révoqué ça yo tout de suite et les jodi en nous tande qui Jean et l'Hélène a quitté RNDDH ça ban nous en pile chagrin. Et nous venons comprendre qu'on vide qui était dans la société, surtout dans la partie déminée, qui pral difficilement joindre gens d'accompagnement et positif ça. Parce que nous connaissons la société pas nous, tout vous m'a dit, l'on qui campe beaucoup de société, et autant de li pral quitter et travailler dans ce sens ça, ça a vraiment choqué le groupe G38 plus, et ça a ban nous en pile chagrin. Que nous prenons nouvelle Hélène a quitté et dans condition Hélène a quitté a nous même nous tant des bagailles yo nous réfléchir sur yo nous analyser yo nous bail Hélène toute raison parce qu'on pas camélon de l'eau propre avec yon de l'eau sale normalement ça passait comme ça. Oui, voilà, c'est Manel Laurent qui était tout profité passage dit pour retourner sous dossier principal qui s'est positionné par rapport à parti de la donne kid pour un message by docteur Enol Joseph qui vient aujourd'hui avec conseiller spécial et président Jovenel Moïse dans affaire la santé dans palais national Laurent Manel mandé conseiller à songer rendez-vous le terrain à Kyo n'attendez groupe G38 là a gardé façon monsieur Damien Roa a pé monter descendre dans partie qui dedans division déchiré puis toute qualité que nous même noté déjà parler sous lui noté déjà prévoir toute bagaille ça yo et bagaille la prend la rue G38 te dit et une seule bagaille n'a dit docteur Enol Joseph qui c'est conseiller santé palais national changer rendez-vous nous te gagné parce que des bons amis vont choisir sans faire prix. Alors c'est pour docteur à comprendre réalité à pas rentrer mêlé dans bagaille moun pas ka mêlé, pas tolérer intolérable, rester à distance parce que pays a gagne des moun, nous gagne en pile respect pour yo et gagne des moun tout qui respecte nous, tout moun qui dérefuse respecter tête yo peuple haïtien pas respecter yo. Mais moun qui connaît ça au vos peuple haïtien après connaître ça au vos tout. Alors je dis à G38 plus ça dit docteur Enol Joseph, songez rendez-vous nous te gagne G38 plus camper en face tout ça qui compte pays a mais corré tout ça qui voulait corré peuple haïtien. Ah c'est une autre G, c'est G38 plus Manel Laurent donc. Yo te quitté kit, mais ça fait quelque temps. Donc, tu as utilisé non de démissionner dans kit. Vous quittez ton parti politique, quittez. Coordonnateur mouvement pour restauration environnement et sécurité sociale, Berto Conserve, critiqué autorité. Il dit qu'il continuait à payer un local pour le ministère intérieur pendant que ancien président Ted Kalea a inauguré dans le local ça. Gain environ une institution depuis 2 années. Selon lui-même, ce qui pas ta fait réellement, n'attendait Berto Conserve, et qui parlait comme ça dans le micro, Loubel, qui était bonissime. Gain un building qui, dans l'angle, rue des Cazennes et Monseigneur Guyou. Président Matéli t'a inauguré, ça fait 2 ans. Et nous pas arrivé comprendre comment building ça a fini inauguré et ministère pas capable jamais occuper building ça. Et l'État haïtien, payer un loyer pour ministère dans un kay qui situé dans zone Paco. Alors, l'état important pour que premier ministre, ministre intérieur,
ministre planification a apporté des précisions claires avec société haïtienne pour le dire jusqu'à maintenant pour qui ça après 2 ans que Kaisa building ça que l'état haïtien construit pour ministère il pas capable aller là-dedans donc Kaisa yo faut chercher une façon pour diminuer sous dépenses l'état alors genre des dépenses cosmétiques ça yo l'état pas capable continuer à vivre là-dedans n'a dit ministre intérieur encore une fois honnête avec tête li l'état son système de continuité lié souvenir faut qu'a ba explication pour dire société a mais combien cob que building ça a coûté l'état et mais à qui point que lié et pour qui ça que jusqu'à maintenant c'est loyer que l'état continue à payer pour ministère. Berto conserve mouvement pour restauration environnementale et sécurité sociale. Et puis il y a une délégation organisation relais jeunesse révoltée OJR te vient dans studio Radio Kiskeya pour demander gouvernement tête calé numéro 2 à intégrer n'a cité jeunesse dans pouvoir porte-parole organisation ça Clifford Stello en sa coordonnateur organisation Ronald Legault te parler concernant dans organisation il fait connait si dans mois qu'a venir là revendication yo pas respecté et ben après la rue n'a coûté yo te parler concernant dans micro Loubel qui te bonissime je veux dire nous vinn là c'est pour non seulement pour nous vinn et saluer mémoire journaliste Jean-Léopold Jean-Dominique qui était mort le 3 avril et nous même pas jamais oublier ça parce que nous connaissons que en tant que jeune garçon on dit mouvement jeunesse cap bataille comme en tant que révolté c'est ton révolté même avec maintenant nous inspirer des grands garçons ça qui était dans la presse qui t'a bataille qui t'a défendre paysan qui t'a défendre pays a pas bon problème qu'il t'a traversé et ont arrivé assassiner parce que son monde qui était engagé pour défendre pays donc je dis à nous venir là pour nous saluer mémoire garçon ça je l'ai fait 17 ans et là juste pour que j'aime dire rien sur question ça et nous demander faut Jean-Louis Dominique Jeune Justice, même Jean-Pierre l'autre monde qui était tombé dans quatre batailles pour démocratie. Donc, je dis encore, nous, on a continué à demander gouvernement haïtien, hein, pour que nous demandions intégration nous en d'un boîte l'État. Parce que nous connaissons le jeunesse pays, on dit que c'est dans notre pays. Donc, la façon qui a traité jeunesse là, nous ne comprenons pas. Parce que nous, le gouvernement monté là, il y a un cahier de charge, il y a un cahier de charge, mais nous sentons jeunesse là pas dans ça qu'a dit. Après 2 ou 3 mois là, nous pas ouais qu'il y a un cas fait pour la jeunesse, nous même la jeunesse n'a mobilisé nous, n'a pris un béton. Hein. Après ça, nous croyons que le président Jovenel est venu avec tout programme qui était en déquité là déjà, ou dit la batterie avec eux. Je ne dis pas là, il faut que le président Jovenel croit que avec PM Lafontaine, bon grand goût à 3 de yon là, côté qui en d'un quartier populaire, côté qui grand pile problème. Ouais, grand goût Cloax, c'est de ça que tu es venu parler, Clifford Stello et Ronald Legault. Une autre organisation qui est la coordination Jovenel Moïse, rien de ça, rien de moins, dans quoi des bouquets et fait président Connel, li doué fourrer pied dans question ça qui a passé dans quoi des bouquets parce que je dis toute poste qui dans commune non doit aller dans main moun yo qui y aurait les petites quoi des bouquets selon les sénatus qui t'a parlé dans non coordination s'il vous plaît Jovenel Moïse quoi des bouquets. Il parlait d'agent DGI ou AVCT ak poste vice délégué c'est moun vini yo wè nan commune nan ki a vinn occupé yo alors que eux même qui gen lombri ki enterré nan commune nan yo pa jwenn anyen n'a tande l'esprit sénatus qui te parle comme ça dans micro Amos Brivé. Nous, coordination, président Jovenel Moïse, dans le Croix des Bouquets, nous le voyons bien haut pour nous dire au président, ça qui passé dans le VEA, il n'y a pas passé dans le terrain. Et nous disons, je vous le dis, Croix des Bouquets, c'est pour petit Croix des Bouquets. Ça veut dire, toute boîte l'État qui gagne dans l'arrondissement Croix des Bouquets, tout c'est pour petit Croix des Bouquets. Décision nous prenons simple. C'est parce que, président Jovenel Moïse, il faut pas qu'il y ait d'efforts pour qu'il y ait dans le Croix des Bouquets. Nous-mêmes, nous n'avons pas été habités, nous avons un dossier qui sont habités. Alors nous avons responsabilisé sur habité. Nous prenons coordination en main avec petit papa, Nenel, petit lunette. Bon, monsieur Sauchener, nous t'es metté président Jovenel dans le Croix des Bouquets, côté que nous baillons élection à 52%. D'ailleurs, on va demander nous ça. Nous demandons 36%, nous baillons 52%. Maintenant, imaginons, Negio fait tout ça pour faire la jusqu'à présent, nous voulons faire passer pour nous-mêmes dans le Croix des Bouquets. Et à l'instant, ça, nous-mêmes, sont annoncés, président. Nous clairs. Et nous te dit,
Pablo nous te dit groupe moun yo te baï pour représenter président Jovenel Moïse dans Croix-de-Bouquet, il y a racine la donne. Il y a Maïssa Rinaldo la donne, monsieur ça m'a nommé là et pour dire si on pas représenter Croix-de-Bouquet. Il y a Hippolyte depuis Hippolyte la donne. Contre que te connait nous te dit yo n'a baï élection, là nous fin baï élection pour voir n'a baï faut retourner venir joindre nous. À savoir que les députés de nous joindre. Et puis nous gain OAVCT et puis nous gain vice délégation Croix-de-Bouquet. Tadem du rôle. Être vice délégué, OK, d'une commune ou d'un arrondissement, pas connait je connait dire, c'est pas une mes affaire. Pour on est monsieur, on sait représenter un président, faut que nègre là, à un discours, faut qu'on est où, ok? Faut qu'il fasse un travail, bon, pas qu'il prenne un nom de vice délégué de Croix-de-Bouquet, ça, plutôt président lui-même, il prend ça en main, parce que nous-mêmes, vice délégué de Croix-de-Bouquet, nous venons déjà. N'a pas dit président, pour le fouer pied dans ça, Hippolyte, député Hippolyte, ou même, vous connaissez nous bien, nous travaillons pour le président. Nous ne pas quitter ça qui est passé dans le passé dans le terrain, nous-mêmes. Nous, clair, boîte d'état dans la commune, dans l'arrondissement de Croix-de-Bouquet, c'est pour militants de Croix-de-Bouquet. Donc, voilà. C'est l'esprit Sénatus. Et puis, il y a un autre pas que l'esprit du Laurier, qui représente un syndicat dans le département Nord-Est, qui dénonce une série de nominations et qui a fait dans le département côté ces monde qui pague un yé pour éducation et qui a vint un travail dans le secteur ça. Du Laurier, l'esprit, annonce un mouvement levé campé dans le finissement mois d'avril là. Si responsable pas fait bac sous nomination ça, yo. N'attendé Nestlé du Laurier qui te parlait comme ça dans micro Amos Brevé. C'est avec un peu de tristesse population Saint-Raphaël là, tendé directeur d'Ouville Jasmin avec l'autre acolyte Lio, te vienne installer dans tête BDS Saint-Raphaël là. Yon madame sans compétence, madame ça, lui même lui représenter yon colis encombrant pour directeur d'Ouville, lui vienne la gueule dans corps sage nous comme moun Saint-Raphaël sans aucun monde dans secteur éducation pas informé. Pas même yon membre non, magistrat commune Saint-Raphaël là, pas au courant de l'installation ça. Alors que OMRH dit c'est sous base concours pour moun prendre promotion dans l'État. Dans ce sens ça, tout directeur de l'école Saint-Raphaël, public tant que privé, t'a écrit M. Arilex Jean, qui est directeur départemental Nord, pour te demander de retourner sous dérive directeur d'Ovri Jasmin, t'es venu faire Saint-Raphaël. L'aide ça, nous t'a écrit depuis 6 février 2017 pour te demander d'agir pressé pour Pita Papitrice. Comme il y a un nouveau ministre, avec le nouveau directeur général. Nous-mêmes, directeur de l'école publique et privée Saint-Raphaël, nous demandons d'agir vite. Si rien n'est pas réglé pour résoudre le problème, ça, à partir du 24 avril 2017, pour gagner un gros mouvement, lever campé dans la commune Saint-Raphaël, pour dire non, nous ne pouvons pas remettre le cheval, ça, en mobiliser jusqu'à la victoire finale. Voilà Nestlé du Laurier. La police suédoise semblait li croire li sou bon route et li de plus en plus convaincu et nanmen nom sa ke arrêté a c'est lui même qui était varé ak machine ni et hier vendredi a dans Stockholm capitale pays la Suède sou moun ki tap marché non rue piétonne et pa gen rien pou kwè li là qui t'a fait quoi qui c'est pas lui même moun qui t'a fait zak la ki nanmen au contraire soupçon yo vinn renforcer c'est sa porte-parole la police t'en fait connait pendant une conférence pour la presse individu arrêté a yo metté nan garde à vue d'après ça la police suédoise fait connait dans Stockholm attaque ça la cause 4 pour mouri 15 autres blessés c'est yon ouzbek qui sorti dans Ouzbékistan ancien république soviétique d'Asie centrale qui a 39 ans et d'ailleurs service renseignement pays la Suède gagne monsieur sous liste li d'après ça yo fait connait dans renseignement yo ramassé sous moun yo a suivre et c'est ça porte-parole la police dans fait connait et puis responsable sécurité intérieure suédoise là Anders Tromberg et sans que le pas préciser depuis qui l'heure monsieur sous liste yo et qui pour qui zak et autorité yo pas baï tout et détail depuis combien de temps que monsieur t'a vivre dans pays la Suède ni tout si monsieur gagne yon résidence ou permis pour résider dans pays la Suède et non pas connaît réellement et qui intention monsieur te gagne ni combien moun monsieur te veut pour te touyer mais c'est clair que monsieur te gagne intention malveillant dans tête d'après sa chef police là Dan Eliasson préciser li fait connaître tout que yo joine un engin dans cabine camion ça que le té volé et qui pour compagnie nous pas capable dit et dans stade ça est-ce que c'était une bombe ou bien est-ce que c'était un engin que le t'a pral mettre du feu là-dedans ou bien t'a lancé pour te prendre du feu d'après sa responsable suédois préciser donc la Suède qui te connaît que t'es en bas menace et qui t'est arrivé déjouer une tentative déjà et de attentat
mais qui prend un attentat fois ça et puisque attaqué hier, genre que nous connaissons, bilan de 4 personnes qui mourent, gagnent 15 les autres qui blessés et puis côté gain gros saisissement dans pays la Suède qui vient longer liste pays européen qui a fait face à ça y relais de loup solitaire qui capable agir pour contre et jusqu'à présent pas gain EI pas revendiqué par exemple attentat mais la plupart du temps une formule consacrée qu'on dit c'est des soldats qui a travaillé dans non EI qui gagne tout partout sur planète là et qui a passé à l'action. Voilà, c'est l'an campé, rete sous Radio Kiskeya pour rester en programme nous. Et nous remercions tout le monde pour fidélité, d'après avoir fait Radio Kiskeya confiance pour informer. Et nous même chaque jour, nous avons fait plus d'efforts pour nous capables d'informer convenablement. Et ça, c'est possible grâce à la mobilisation, salle des nouvelles nous, et puis tout technicien dans diverses sections. Et radio à télé pour nous capable informer pendant toute semaine là pour ça qui concerne journal 4 lui-même et pendant la semaine c'est Wilson bien-aimé et qui dans technique là et pour finissement semaine chaque finissement semaine tant que jeudi samedi c'est Mackinson et Cyprien et puis et tout et ça possible grâce à directeur information nous Stéphane Pierre-Paul et directeur général nous Marvel Dandé chaque jour qui a goumen pour nous kembe radio à télé à et debout en vie malgré tout problème et puis site internet tout pas oublier visitez nous sur www.radiokiskeya.com et gardez nous sur chaîne 14 la digital 65 pour capable wè yon l'autre gens et nous remercier tout le monde et premier rendez-vous n'ak information à moins que gagne un événement spécial dans ça n'importe qui là nous capable prendre antenne premier rendez-vous n'ak information c'est lundi matin avec nouvelle la soirée avec équipe journal matin et puis alternative et qui a venu après journal français nous et puis restez fidèle avec nous pour week-end là c'est toujours somptueux week-end sur Radio Kiskeya en pile débat en pile et émission et pour divertir nous tous et nous casser rendez-vous avant et pour demain mais pourquoi elle est là ou gagner timette et nous dit tout le monde bonsoir bon finissement semaine na ouais lundi qu'on est là c'est bon timette point bon timette point.